Mais si, puisque t'as la monture qui fait tout tes spells en CD, plus toi qui tapes à l'arbalète. Donc c'est mathématiquement plus de DPS. Oui, mais j'ai pas envie qu'elle se fasse hit en gros. Ah ouais. Mais bon, t'as quand même plus de DPS. Oh putain. J'ai un Kativa shiny. Ouais, je l'ai eu. Oh là là, c'est impossible. Oh, je l'ai avec mes petites là, je l'aurais jamais, faut que j'utilise des masters. Je tente, 16%. Oh, j'en ai que 2, ouais, c'est mort. Je vais lâcher toutes mes. Qui envoie des cailloux? Oh non, je me prends un deuxième boss sur moi. Oh, oh! Le rêve. Je suis mort, mais it was worth it. Worth it. Worth it all the way. Merde, il est mort. Pourquoi t'as dit le rêve en mourant? Parce que, en gros, j'ai lancé ma dernière master sur le shiny Dire Hall, là, et en fait, je l'ai eu. En même temps, il y avait un. En fait, j'ai aggro un autre boss à côté, du coup, c'est pour ça que. Putain, du coup, je l'ai eu, c'est incroyable. Ah! Hop! Et là on retourne là, j'ai le cadavre juste à côté, et du coup c'est un surfant là-bas, surfant. Je sais pas ce que c'est. On va bien voir. Oh, tiens, il y a un bronchéri là, mais il y a trop de mobs que je connais pas, c'est dinguerie. Un bronchéri, c'est à l'alcool et à la cerise. Ça a l'air délicieux. Des Woolly Pop. Viens là, toi. Ah ! Super, ça la one shot. Mourir. Oh merde, regardez pas les HP. Wesh. Mais pourquoi ça tire ça ici ? Ouah ! Je vois pas, attention. Ah mais parce que du coup il a appris une nouvelle technique et du coup il veut plus faire celle-là, ok. C'est ouf. Oh oui. Elle me fait de la barbe à papa, ce mob. À côté il y a une mozzarella. La Woolly Pop, Woolly Poop. Ah, j'ai des vaches. Ah ouais, mais t'es où là? Je sais pas, mec. En vrai? Ah oui, ok, t'es à un endroit de la map. T'es bien loin. Paf! Ouais, c'est bon là, 95%, non? Ça se fait emmerder. Yes! Putain, c'est incroyable, incroyable, mec! Tous les mobs là que je récupère! Incroyable! Super, il l'a one shot. Once again. First world problème. Putain! Ça me saoule! One shot tous les mobs, vas-y. Tain. Oh non. Trop de dégâts là. Réflexe de headshot, mais même pas, c'est que j'imagine que ça fera moins et à chaque fois ça fait plus. Non, c'est trop, c'est trop. Dinguerie ce qui m'arrive. Tu peux prendre ton Dire Wolf Shiny en monture. C'est vrai. Hein. C'est quoi ça? Oh, des fouacs! Ouais, les fouacs! Ah merde, ça tue. Imagine, je le tue pas là. Attends, mais je vais mourir là si je. Ah non, c'est bon, j'ai mon shit. Quoi, cette merde?
me coûte pas trop cher s'il te plaît. J'ai une... Non, la Wyrm. Non. Non. Oui. Oui. Oh, je l'ai eu. Oh, c'est incroyable. J'ai eu la Wyrm aussi. Non, c'est trop une folie ce qui m'arrive. Ah, trop bien, tu vas pouvoir le changer. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, j'ai eu tous les mobs que je voulais. C'est de la folie. Oh, un Nightwing. C'est un Yasuo. Lui-même. Je sais pas si j'en ai déjà pris un tout à l'heure. Je confonds. Je confonds les mobs. Ok, pas headshot, pas headshot, pas headshot. Encore pas headshot, encore pas headshot. Ok. Feu. Pas mal, pas mal, pas mal. La merde. Feu. On a la statue à la maison. Ah. Et là, du coup, renforcer ses propres capacités, force de capture. T2. Super. Amélioré. Famine d'un pal dans l'équipe. Not on my watch. Allez, c'est bon. Dors 10 minutes. T'as raison, la petite statue, faut que je m'améliore. Ouais. Ça met très bien. C'est combien? Ah, 0. Ah bah 7. Alors, ok. 1. Là, moi, j'ai arrosage 2. J'en ai un qui fait juste arrosage 2. Mais bon, il a ça. Lorsqu'il est monté, l'endurance ne descend plus pendant les déplacements aquatiques. Fouisseur furtif. Se tourne vers l'ennemi lorsqu'il est appelé et devient une planche de surf pour lui foncer dessus. Rien que ça. D'accord. A affecté à une ferme pour produire du lait. J'ai une vache. A affecté à une ferme pour obtenir barbe à papa. Ouais, okay. Les cornes et tout, on en a là-bas, je me rappelle. Oh, attaque 361, mais c'est une dinguerie le d'ailleurs Hall. Il est encore plus puissant que mon truc. Que mon boss. Attention, au fur et à mesure que tu vas trouver les mobs. Pourtant il est level 23 et tout. Hein. Le lait pour le gâteau. Ouais. Après, je sais pas, ça me gonfle un peu cette histoire de gâteau là. J'ai pas l'impression que c'est worse du tout. Bah, ça nous permet. Les œufs, là, on est d'accord, hein, ça avait complètement arrêté tant qu'il n'y avait pas de gâteau. Ouais, ouais, ça. Et le gâteau, il est où le gâteau? Il est là. Ouais, le gâteau, c'est colossal, hein. Bah, en fait, les baies, easy. Farine, il faut le moulin. Farine, c'est easy, en vrai. Lait, bah, c'est easy quand on a la ferme. En vrai, c'est trop easy. Les œufs, pareil, trop easy. En fait, il faut ferme, une ferme, deux fermes pour le lait et les œufs. Œufs, c'est trop chiant. En fait, non, c'est trop simple. En fait, ce qui est trop chiant avec ces trucs de la ferme, c'est que ça te prend un bâtiment et des pales qui sont censés bosser. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est ça qui est trop relou. Les touchants et 3 ne marchent pas pour changer le pal, tu les rebind. Bah, j'utilise le clavier en QWERTY parce que bah, probablement faut que changer les touches et ce sera espéré. Tu veux pas monter ton gain ou parler dans ton micro? Ah oui, c'est pas fort, tu trouves? C'est pas fort. Tu sais que t'es à 200% sur Discord et je peux plus te monter. Ah, je sais pas trop pourquoi. J'ai beaucoup de mal. Mais oui, il faut rebinder toutes les touches. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines touches du clavier français qui sont pas bindables. Donc la solution à ça, c'est de jouer en QWERTY. Ouais. On dort pas? Bah, je sais pas, vu que c'est la nuit, je regarde un peu autour de la base. Ouais, vas-y, vas-y, fais. Dormir, ouais. Fais, t'inquiète. En fait, là, j'ai des. En plus, j'ai plus de bouffe et tout, donc faudrait que je rentre au camp bientôt. Puis surtout, je ne vois rien! Mais je vois trop que dalle, hein. C'est vraiment, on voit rien du tout. Alors, voyons voir un petit peu ce que j'ai pu rater. Donc, on a la salle à Dire Hall. Tiens, on va voir, je vais la tester. Je vais tester le Dire Hall un peu. Le méga planeur, t'étais en train de t'en faire un là. Ouais, j'ai réussi à passer les trucs. Mais fais-en un aussi, lance-en un. C'est vraiment pas mal le planeur. Pas le mob qui te donne des attaques ténèbres. Oh, mais alors le problème, c'est que lui, il faut le sortir quoi. C'est ça le quoi problème. Ah oui, le sortir, ouais. Ouais, faut sortir le mob, c'est trop chiant. Oh merde. Mmh.
Livre de technique supérieure, c'est quoi ça? Utiliser fait gagner quelques points technologiques. Non mais d'accord le blaireau avec ce que tu me dis, mais on s'en fout pour l'instant. Enfin genre ça va boost les dégâts, mais c'est pas titanesque, tu vois. Pour l'instant on en a pas besoin, en vrai. Non mais qu'on débosse les attaques à 2000 là. Ouais mais en fait, on a eu aucun problème à tuer les boss, donc ça va, on s'en fout du coup. C'est pas comme si on était en train de bloquer, tu vois. Tu veux qu'on reset la game ou on s'en fout? Ouais je veux bien ouais. En vrai. Ok. Ah vas-y je fais le méga planeur et go. Hop, c'est obtenu. Et du coup est-ce que je l'ai mis dans ma team? Non pas encore. Tu peux m'aider? À faire quoi? Le méga planeur? Ouais ouais. Ouais. Waouh. Waouh, attends, t'es collé au camp là? T'es collé au truc de travaux manuels? Ouais, ouais. Ah ouais, tu sais que je te vois à la corbeille à fruits, moi. Hop. Okay. Et là, du coup, normalement... Incroyable. Zéro, j'ose pas te le dire, mais tu pourrais manger le micro pour parler, STP? Ça va pas ou quoi? Il me l'a dit tout à l'heure. T'as kické de la game du coup, on est d'accord? T'as vu le soul, hein. Tu prends pour qui là? Hein? Quoi? T'as kické de la game du coup, on est d'accord? Ouais, ouais, totalement, totalement, bien sûr. Moi, faut absolument que je fasse un truc. C'est très urgent. Très, très urgent. C'est dans ma pièce même, hein. Je vais pas bouger. Je suis là. Ah, faut que je vérifie ma connexion internet. Attends, c'est quoi? Je vais même quitter le jeu en vrai, on sait jamais. On sait jamais, je sais pas, les early access, les memory leaks, tout ça, je vais tout quitter. C'est pourquoi cette déco reco? Bah, un peu à la manière de Satisfactory, quand on était en early access, de temps en temps ça fait du bien de reset la game. Et voilà, donc même pour le serveur, pour l'expérience de jeu pour tout le monde. Voilà. Kenny? Il a pour son casque. Ok, désolé. Eh, hey, tu devrais reset ton jeu même, fermer le jeu. Ouais, je le fais maintenant. Ouais, ok. Par contre, cette histoire de gain, honnêtement, je sais pas trop d'où ça vient. Non, parce que ça allait avant, non? T'inquiète, j'ai monté Discord. Attends, je sais pas si c'est le même lien. Ah non, c'est pas le même lien, je t'envoie. Ça a changé de code, la game. Je t'ai renvoyé un autre code. Oh, désolé, c'est juste qu'en gros, je n'explique pas pourquoi. Ma colle n'a pas collé le papier peint, du coup il est en train de se barrer, du coup j'ai pris une solution pour le faire tenir le temps du live, et puis je réglerai le problème demain matin. Et du coup bah ça m'a un peu saoulé, parce que du coup je me retournais toutes les deux secondes en mode, j'ai plus de décor là. mais je vais pas checker mon gain Discord les gars, enfin je veux dire, je sais... Enfin tu veux dire c'est tes briques qui se désagrègent? Oui exactement, c'est ça que je voulais dire. C'est vrai, je m'entendais, j'ai plus de monture, j'ai pas de...
pas de fer, j'ai plus de monture, pas de décor. J'ai... Plus de briques, plus de monture. Je fais rien, je fais rien. Qu'est-ce que j'ai en fait? Hop, hop, ok, vas-y. Tu veux pas qu'on se fasse 4 allers-retours de métal, toi et moi, là? Genre full plein, là? Mais tu sais que moi, le métal, je l'ai pas vu, là, les 70 de métal qu'on a fait. Hein. Je sais pas où ils sont passés. Hein. Comment ça, 70 de métal qu'on a fait? Bah, en gros, globalement, moi, j'ai mis 70 de métal et on en a plus, là. Hein. J'en ai mis à fondre 70. Ah ouais, bah je sais, bah ils sont claqués, quoi. Putain, c'est fou. Hein. Ils sont claqués. Bah vas-y, si tu veux, alors. Mais t'es pas chaud, on force pour faire des outils histoire qu'on puisse farmer correctement? Si, vas-y, fais-les, hein, en vrai, crafte-les. Ouais, mais bon, y a un problème là. C'est quoi? Oh, merde. Ah oui. Mais ouais, voilà, c'est bizarre. Eh ouais, bah ouais. Tu rentres? Ok, d'accord. Bah, bisous, superbe. Excellent, Alpha. Merci, Alpha, d'être là. Bravo. Si, le petit pal qui recolle le papier peint là, il me mettrait très très bien lui. Si. Où est-ce qu'on en est? Métal, on fait du métal. J'arrive. Je fais du métal. Je vais taper du métal. J'en fous le métalling là. Je peux aller jusqu'à 600 dans de trucs, d'inventaire. En fait, niveau métal, on galère trop, c'est ça? Ouais. Hop là, mon arme est cassée, on se fait attaquer, que des bonnes nouvelles. Regarde, hop, moi je vais sortir ça, on va le tester, lui. Trop bien. Ils sont où? Et ils sont où? Ah, mais attends, je peux tirer ça. Attends, je vais mettre le tire-bouée, ça fait quoi? Ok. Dingue, hein. Ah, c'est fini? C'est fini la guerre? Ouais. Alors c'était bien? Morts. Ils sont tous morts. J'ai eu 6 clés en bronze, mec. En compte ou pas? Ah ouais? 8 clés en bronze. Pendant c'est le raid. C'est dommage que je puisse pas te pinguer la map parce que je sais où il y a un coffre, mais bon, vas-y. Je vais le garder pour lui, quoi. Bah ouais, quoi. Je comprends. Incinéram. Ah, c'était ça que Serrator cherchait? J'ai tout ce que j'ai tué là. Ah ouais? C'est bien dommage parce que c'est trop puissant. Bah, je savais pas. Oh, c'est pas grave. De toute façon, les mobs dans les attaques, c'est dur à capturer. Tout le monde se fait défoncer la gueule. Et je crois que c'est là-dedans que j'avais réussi à en capturer un d'ailleurs. C'est dans une attaque. Ok, my bad alors. T'as vu ce que je fais? Quand je suis plein, je drop la moitié au sol et les moutons ils me mettent plus dans le coffre. Incroyable. C'est pas mal ça. Ouais, tu devrais tout drop, non? Bah, je sais pas. En fait, j'ai fait ça au cas où j'ai fini les gisements et je puisse les ramener moi-même, parce qu'à la fin, je ramènerai quand même. Mais là, je vais attendre que tout dépop. Enfin, je vais faire tous les gisements, là, je pense. Ouais, bah, je vais t'aider, hein. Après, c'est pas comme si c'était bon pour une fois pour toutes, parce que ce sera quand même trop long. Mais bon, c'est pas grave. Je sais pas à quel point ça va repop en vitesse. Voilà, allez les moutons. En plus, ces gisements ils contiennent, hein. Putain. Ouais, ils ont beaucoup. Hein. Normalement, ils repopent vite. Mon arme est cassée! T'as vu que j'ai un truc pour réparer les armes, hein. Je l'ai fait là-bas. Ah ouais, tu l'as fait? Ah ouais. C'était trop horrible. Mais ils vont mourir les mobs si on leur donne pas de la bouffe ici? Non. Ah ouais? Non, ça fait pas mourir. Même toi, si t'as 0 de bouffe, ça t'amène à 1 HP et juste t'es très diminué. Donc... Ah, ok. Ouais, ouais, la bouffe, c'est... Mais par contre, c'est vrai que c'est un peu comme un mal de reste sur WoW, tu vois. Ouais, c'est chiant, quand même.
Ouais, c'est bien d'augmenter l'attaque. Je sais pas si c'est bien d'augmenter l'attaque. Tu penses que c'est bien? T'améliorer l'attaque? Ouais. Je sais pas. Je pense pas. Non, non, mais casser en fait, merde. Comme on améliore notre attaque en faisant des objets, genre des flingues et tout, je sais pas si vraiment améliorer son attaque c'est si worse que ça. Ouais, mais c'est un peu comme. En gros. Augmenter, tu vois par exemple si t'as x2 de dégâts grâce à ton arme et que t'as 1 de dégâts de base, bah si t'as 2, ouais, tu vois, c'est mieux. Parce que tu passes de 2 à 4. Ouais mais ça veut dire que ce problème là, est-ce que tu te soucies pas de ce problème là quand t'as fait la dernière arme du dernier tiers? Parce que avant tu peux booster ton attaque en faisant une meilleure arme. Oui c'est vrai. En gaspillant pas des points de stats, tu vois, c'est plutôt ça mon raisonnement. De se dire bah vu que les points de stats c'est ce qu'il y a de plus précieux, et bah tant que t'as pas la dernière arme du jeu et que t'as pas besoin de dégâts, autant pas en mettre. C'est un peu ça mon truc. Ouais. Après voilà, il y a aussi le raisonnement, si t'augmentes tes dégâts, t'économises des munitions du coup virtuellement. Tu gagnes en ressources. Tu gagnes un peu en ressources. Après globalement c'est 2 d'attaque par point. Donc bon. Je sais pas ce que ça représente exactement. Mais je pense que c'est en pourcentage, genre si t'es à 110 d'attaque, t'as 110% de dégâts, je pense. Ah tu penses? Ah oui, non, ça j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, c'est une déduction totale. C'est ce que je me dis, tu vois. C'est le dernier gisement! Les petits moutons qui ramènent tout. T'es à combien? Je sais pas. Ah, dans points, je vais voir, mais. On est mis plein là. Mon arme est cassée! En endurance, j'ai 230. Ok, let's go! Bon, j'ai tout ça. Je jette. Bon, là, il y a 296 de métal. C'est quand même pas mal, hein. Ah, mais attends, mais c'est vrai que les trucs, là... Plus ceux qui viennent d'être amenés, là... Je prends tout! Je prends vas-y. Tout! Vas-y. J'ai accès au TP, là. Je peux plus bouger, mais... Ok, bon, cool. 296, ça nous fait un peu plus de 100 lingots. Bah, c'est pas... Tu vois, si on y va à deux comme ça et qu'on allume tout... Faut que tu viennes m'aider. Ouais, t'inquiète, je suis là. Faut que je fasse un coffre en fait. Vas-y, tiens, file-moi. Ah, t'as accès. Attends, je vais. Non, mais je vais le rapprocher, hop. Non, mais je regarde, dans le big coffre, il y a déjà du métal. Ouais, au pire, ouais, attends. Oui, bah, de toute façon, on va tout mettre à fondre, donc. Ouais. On fait. C'est bon, t'as pu tout mettre? Ouais, attends, hop, voilà, c'est bon, il y a tout. Comme ça, je mets à fondre. Et on met moitié-moitié, non? Ouais, exact, je peux faire exactement ça. Combien on met max? 164. 164. Vas-y, attends, dès que t'as mis. Et boum. Ah, bah pas mal là! En plus, ça va aller vite. Ouais, c'est bien. En plus, on a les deux dracs au feu. On serait bien que l'autre drac au feu. Ah, mais il est bugué. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il est en abattage. Casse les couilles. Il est en full abattage l'autre là. Non, mais arrête, je pense. Ok. Ah, l'autre, ouais. Ouais, voilà. Et vous deux, vous allez souffler, là. Non? Oh, mais l'autre, il va abattre des arbres. Non, fais pas ça. Viens ici. Tu vas là. Marmite. Non, pas la marmite, non! Vous regardez faire, c'est génial. Je vais tout réparer, moi. Là! Non, pas feu de camp, connard! Mais c'est insupportable! Là! Oh, il veut pas. Peut-être qu'il prend. Ça prend trop de place. Ça prend trop de place qu'il soit collé les deux. Et genre les. Ah, il veut pas. Parce que, ouais, y'a pas la place. C'est une catastrophe. Là, c'est cauchemardesque. Je suis en train de tester de faire le vêtement légendaire. C'est exactement ça. C'est cauchemardesque. Voilà, c'est un cauchemar, je le dis. Donc je vais prendre un Fox Park de merde là. Et on va voir si. Mais non, mais on bouge le truc. Ouais, mais est-ce qu'on va pas perdre les 90 lingots? Mais non, parce que tu fais annuler et tu récupères les ressources. Ok, ça marche. C'est bon. Je sais pas, c'est tétanisant. Non, mais je comprends que t'avais peur parce que tu viens de lâcher 180. C'est clair. Attends. C'est trop un cauchemar, quoi. J'ai annulé. Bon, bah voilà, t'es perdu. C'est genre vraiment. Ah, j'ai perdu toutes mes ressources, vas-y, c'est pas grave.
j'ai fait quoi? La merde, j'en ai lancé qu'un seul. Ah, j'attends qu'il se finisse, sinon je peux pas faire. Ah, je pense que je peux faire la selle du gros lama, sauf que le problème c'est que ça fait une heure que j'essaie de craft l'armure là et on est à 10% du craft donc. C'est une grosse erreur de l'avoir fait sur un établi niveau 1, je pense. Quoique, je crois que ça change rien. C'est vrai, il m'a dit que ça change rien tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça donne envie de se dire ah non, mais attends. Peut-être que. C'est bon là les deux oiseaux? Peut-être que je me suis mal pris. Ah, c'est bon, ça fume du gros lingot là. Là, moi je veux absolument level up le camp, c'est mon rêve. Je t'aide. Il faut être niveau 24. Comme ça, au lieu de le faire en 6 jours, on le fait en 3 jours. Non, mais c'est un enfer, hein. C'est vraiment trop long. Hein. C'est que l'autre en plus il prend des pauses toutes les 2 secondes, ça va, on me dérange pas? Bref. Mais là c'est quoi, c'est le légendaire? Ouais. Ah ouais. T'as de ça, la coûte, chance. Ça coûte 10 pièces. Mais je peux en faire un deuxième après. Hein. Tu sais qu'on en a beaucoup des pièces. Hein. Des pièces? Comment ça des pièces? Bah en gros les points de talent violets, ce sont des items que tu as dans l'inventaire. Qui s'appellent des pièces antiques. Et en fait on en a genre 24. Ah non, tu confonds. Tu confonds. Ça n'a rien à voir. Là, t'as pris une ressource de... qui est le truc antique, mais c'est. Ok, bon, bah, c'est pas les points de talent, mais en tout cas, les pièces antiques, on en a beaucoup, du coup. Mais ouais, c'est. Pas la même chose. Ok, je crois. Ah, parce que t'as pris les deux patrons sur toi, c'est ça? Ouais, tu veux le deuxième? Ah, mais attends, mais ça le consomme même pas, en fait. En vrai, si. Ok, bon, bah, tiens. Faut attendre qu'il soit fini, non? Faut attendre qu'il soit fini pour que ça le consomme? Je t'en mets un. Voilà. Attends, j'allais juste le lancer, hein. Globalement. Il manque 3 tissus. C'est impossible. Dommage. C'est impossible. Ben voilà, moi je peux pas le faire. Et voilà, 3 tissus, super. Faudrait réorganiser la base. Bah en fait, on réorganise quand c'est nécessaire. Là, pourquoi il me faut 13 tissus maintenant? Je suis con quoi. Ah, y'a plus de tissus. Putain, c'est trop bien ça quand y'a plus de tissus. Ouais. Ça met trop bien. Mais attends, mais les tissus, on pouvait pas le faire avec du textile? Pourquoi c'est de la laine? J'ai rêvé? J'ai rêvé ou quoi? Hein? C'était 10 qui manquait, pas 13? Oh bah my bad. Attends, mais. Quoi? Le. Qu'est-ce qu'on fait avec du textile? On n'a pas de textile? Je comprends rien. Mais sinon, on prend du bois, fait du textile au truc là-bas. Non mais en fait, pour faire du tissu, c'était le textile, on est d'accord? Ouais. Sauf que non, c'est la laine. Et c'est plus le textile. Et je comprends pas pourquoi. Ou alors ça a jamais été le textile et c'est moi qui hallucine? Ça doit être moi qui hallucine. Ouais, hein. Peut-être t'hallucines. Ça a toujours été la laine. Ok, ah ouais, my bad. Ça a toujours été la laine, ok. Ok, ça a jamais... Okay. Ouais, c'est moi, my bad. Moi aussi j'avais l'impression que c'est du textile pour faire du tissu, mais ok. Ok, on a. C'est donc une hallucination pas, collective! Et ben on peut pas faire la deuxième, tant pis. Mec, t'as vu, ça fait une semaine que je suis dessus là. Ouais, je vois, puis on est trois quoi. Ah bah c'est un chef-d'œuvre hein, qu'on va sortir là, j'espère que. Ah ouais, là c'est. Je vais être tout feu tout flamme en sortant de là. J'ai hâte de voir les stats hein. On est bientôt là. Je reviens d'une VOD, c'était le textile. Je suis quasiment sûr que c'était le textile, mais bon. Pareil. Si vous le dites. Vraiment pareil, c'est ça qui est bizarre. Attends, je dois manger moi aussi, je dois faire des pauses. Mais du coup, pour réparer ton armure... Enfin, vas-y. Ouais. Oh putain, chat fou. Bah ça va coûter 20 pièces antiques pour le réparer. Faut juste aller tuer 5 boss. Antiques, si ça coûte des pièces antiques, tu peux la jeter direct, hein, je peux le dire. Oui, c'est sûr. Pour moi, c'est avec l'upgrade de la base. Donc l'upgrade de la base changerait les recettes? En carte graphique, j'ai une... Ça, c'est horrible. 3090? Oui, c'est ça. Allez, je me casse! Merci d'avoir aidé, merci beaucoup. Si elle est super et qu'elle coûte pas cher, je te la fais la deuxième. Ça m'a vraiment cassé les couilles ton truc, là. Ok. Mais en fait, on peut pas faire la deuxième. Mais si, on peut. Mais non, on a pas de tissu. Mais oh, j'en ai. J'ai ce qu'il faut. Parce que non, moi, j'ai farmé 1000 ans. Mais j'ai farmé 1000 ans. Du ah, coup, mais j'ai... t'as rien déposé au coffre. Okay. Mais si, j'ai fait. Mais juste, ça fait. Je suis parti pendant 26 ans là. Je sais pas si tu te rappelles là. Et on peut pas. J'ai tenté de crafter du tissu. On a rien pour le faire. Mais si, j'ai juste pas. Il y avait pas de laine. J'ai fait FR partout. Il y avait de la laine nulle part. Donc elle a jamais drop, c'est tout. Quand tu fais FR, c'est que du coup.
Il faut l'item quoi, quand tu fais FR. Home de métal, mais il est devenu fou lui. Je fais un home de métal. Il est devenu complètement fou. Non, non, quel que soit l'établi, ça change rien à la recette. C'est ce que je me suis dit au tout début et ça change rien. Tombat refuse de travailler. Bah, il nous a pété les couilles. Là... Et là... là-bas, ils ont des vrais problèmes. Hein. Bah ouais. Mais bon, c'est la vie. Hein. Ils ont des vrais problèmes. Qui va finir en premier, le home ou le vêtement? Je pense le vêtement. Je sais pas. Hein. Ouais, remarque, je sais pas. Je sais pas. Hein. On sait pas. Hein. Allez, allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Oh, c'est le vêtement, c'est le vêtement. Large. Large. Si, large, large. Un quart, quand non, même. T'as fini, là. T'as fini, là. Allez, donne-nous moins, là. Hop, fini. Ok, je l'ai. Large. Et donc, mon vêtement légendaire, paf. Donne les stats. Anti-froid niveau 1, 15 de défense, 70 PV, 24 défense, 112 PV, ok. C'est pas... Ah ouais, pas dingue. Hein. C'est pas dingue. Et pour réparer, c'est pas écrit. Bon, je le porte pour l'instant. C'est bien de la merde, honnêtement. Je pense qu'on devrait. Le home en métal, c'est vraiment worse, par contre, je te le conseille. Ouais. Ça remplace la barrette à plume. Barrette à plume La barrette à plume, et c'est pas mal. Voilà. Le home de métal. Pourquoi il pète des... Ah, mais je peux pas le craft, moi. Je peux lancer le craft? Ah ouais? Ah ouais, ok. Tiens. Ce serait fou. Voilà. Tu peux lancer le craft du légendaire alors? Ouais. Comme ça je... Mais limite on laisse un pet le faire et je le reprendrai quand il sera... Quand il manque sera fait, du quoi. Tissu. Faut faire du tissu. Mais je lui ai dit, putain, c'est pas possible. Oui, mais j'ai pas... je viens de terminer mon truc. Putain, et toi tu peux faire du tissu, t'as trop de la chance, putain. Mais il y en avait dans les coffres, hein, des trucs. Je les ai mis après. De la chance, mais c'était même pas sur moi. On a un peu de lingox, ça c'est bien ça. Est-ce qu'on peut récupérer les pales des potes? Alors en fait, oui. Mais voilà. C'est bon, t'as compris? Ils ont ajouté trop de machines et pas assez de slots de pales. Du coup, il y a trop de choses à faire, pas assez d'espace. Pas assez de gens. Oh putain. Oh putain de merde. Il est devenu fou, il a ramassé l'oiseau. Hop, on annule. On m'a saoulé. Il faut du tissu. Peu. Hop, voilà. Et là, on les laisse faire, je pense, non? On les laisse faire. Ouais. Ouais. On les laisse faire tous les trucs. De toute façon, ils ont quasiment tous travail manuel, oui. Sauf Ektirdir, là. Mais d'ailleurs, Ektirdir, ça va dégager, je pense, hein. Ah ouais. Il a que abattage, bon. Ouais, j'avoue. On n'a pas passé l'âge d'un mob qui a que une capacité. On peut en prendre un autre qui fait de l'abattage, genre. Genre personne. Genre lui. Voilà, Leaf Monk. Lui, il est super, lui, il fait plein de trucs. Voilà, là, ils ont tous le travail manuel. Bon, sauf les dragons, mais vas-y, dragon c'est l'exception, mob de feu. Les pioches améliorées. Bah ça on peut plus, hein, on n'a pas. J'ai level up. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, là? Qu'est-ce que vous foutez? Ah, je fais des torches. D'accord. Je fais des torches partout. D'accord. Non mais je voyais tous les mobs se déplacer, j'étais là, ça va? On vous dérange pas? C'est-à-dire que là, il y a quand même trois établis qui fonctionnent pas, mais bon, vas-y. Non mais allez construire des torches. Allez construire des torches! Et là je vais tout allumer et c'est Koh-Lanta. C'est pas mal les torches, d'autant que. Petite surprise, avoue que c'est une surprise, pas besoin de refill. Alors je l'ai compris, mais c'est une surprise parce que je viens de l'apprendre. Bah ouais. Non mais je veux dire, c'est une surprise dans un jeu où il faut remettre du métal dans les fournaises quoi. Ou genre ta pioche elle se casse en trois cailloux quoi. C'est vrai hein. Alors que là, il pourrait nous dire, il faut du tissu fait avec du textile pour refil. Il pourrait nous dire ça, par exemple. Et ils le disent pas. Ouais, et pas du tissu fait avec de la laine. Voilà. Mais du coup, si vous êtes ni plus du niveau 5 de camp, vous pouvez plus, parce que la recette a changé. Non, par contre, j'ai fait une... Je crois que c'est la ferme, là où quand tu mets des moutons, il y a de la laine, un truc comme ça. Et ouais. La production est colossale, hein. C'est du jamais vu. Hein. La production de laine? Ah ouais, ouais.
C'est genre t'as 50 de laine toutes les 10 minutes quoi, c'est... Trop bien. C'est presque un cauchemar. Et le range, ok. Bon. Où est-ce qu'on en est? Il faut faire quoi là? Il faut faire les lits! Pitié! Faut 24. T'es 24 ou pas? Non. Deviens 24. Non, je suis pas du tout 24. Faut que tu deviennes 24 et vite. Ok, je deviens 24. Je fais les sphères de pal. Je prends les sphères de pal. Je fais les sphères de pal. On peut en faire. On a plus de palladium! Mais c'est du palladium là, on en a plus! Je suis en train d'en ramener. J'en peux plus. Attends. Lance les crafts. Je peux Vas-y, pas. Vas-y, lance des crafts de palladium. Ah ouais, on peut. Genre là, max là, je fais 20. Attends, mais c'est, je fais des petites bleues, ouais, on est max, d'accord. Si, vas-y, max. Petite bleue. Hein. Ouais, moi j'ai fait de la petite bleue là. Ouais. Bon, mais où est-ce que je vais aller choper des trucs que j'ai pas x10 là? Je sais pas, par là. La selle, pitié. Je peux pas faire la selle, les gars. La selle, pitié. Je vais me balader avec mon die roll là. Et on... Ouah, me fait fumer, putain, vous m'entendez? Ah! Oh, je me fais détruire, destruction. Mort. Zera mort. Aïe. Ah putain, les Kilamari, tu peux l'utiliser comme planeur, le mob. Oh, marrant. C'est excellent. Plateau de nuit, cage d'observation, coffre en métal. Ouais. Papaparapaparap. Une ancienne fontaine. On a installé pour accroître la vitesse de travail des pales avec la capacité arrosage. Ça c'est... Attends, super, mais c'est tellement cher ces trucs. Ouais, 100 lingots de métal. Okay. Ah ouais, non mais laisse tomber. Dingue, c'est du jamais vu de demander autant. C'est du jamais vu. Mais c'est vrai, hein. C'est quoi cette folie? Personne n'a jamais eu autant de métal, hein. C'est jamais arrivé. Allez, une collection de terminée, c'est parti. Mec, je vais passer niveau 1000, là. J'espère que t'es prêt, hein. Tiens-toi bien prêt. Accroche-toi, mon champion. C'est parti. Moi, je suis en train de passer 24, là. Ok. C'est très bien, c'est très très bien ce qui est proposé, du coup. Est-ce que les Goumos c'est bon ou pas? Goumos Maxima, là, on en est où? 6 sur 10. Ça, j'en ai même pas des trucs là. Oh putain. Je vais devenir fou. Okay. Bon. Quoi? Mais c'est pas possible là, ce qui vient de se passer. Je n'y crois pas une seule seconde. Je vais prendre des Solari, hein. Pas le choix. Hein. Et putain, si j'ai one shot. Mais quoi? Canon à Pierre. C'est trop bizarre ce qui Mais se passe. Mais fais chier, juste fais chier, voilà. On peut le dire. Aïe. Est-ce que si je fais ça, c'est one shot? Non, quand même pas. Ah, ça a rien fait, d'accord. Ok. T'as traversé de crever ou d'envoi. Ok. Eh, vas-y, là. Ah. Y'a plus de son, là. Y'a plus de son pour moi de là-bas. Y'a plus de bruit de pas. Je vais le tenter. Vraiment, le sound design de ce jeu, il y a des vrais problèmes. Yes. Ok, vas-y, je descends. 1000 d'XP, excellent. Non! Ah! Ça va pas! Ça va pas, monsieur! Dégage! Ektir, go! Fume-les! Allez, on farme ça. Je fais la game. Non, waouh, j'ai eu de la chance. Est-ce que t'es au camp par hasard? Non, je suis pas loin, mais je suis pas au camp. Ok, si tu viens au camp, est-ce que tu pourras lancer des flèches? Ouais. J'en ai plus du tout.
Ah, un Nightwing, tiens, je vais tenter. Tu l'as déjà eu, toi, le Nightwing? Je crois que j'en ai un. Je crois que je le tue pas si je le tire pas dans la tête. Ah ouais, c'est Yasuo full stuff. Ouais, vraiment. Non, ça le tue. Open mid. Non. Putain. C'est vraiment le truc horrible de ce jeu, ça. Oui, parce que trop bien. Tu peux pas Pokémon. Trop contrôler, en fait. C'est trop oui, oui, c'est trop dur. En Pokémon tour par tour, le truc, c'est que tu prends bien le temps de regarder les dégâts parce que t'as pas tes déplacements à gérer. Ah oui, oui, c'est beaucoup plus simple. Oh putain. J'ai un nouveau mob de feu. Ah ouais, trop bien. Il s'appelle Ruby. Je le connaissais pas. Pourquoi t'as plus le canap? Canap. Quoi? Il est où Ruby? Je vois pas, je suis aveugle. Il est là. Ah, c'était lui! C'était lui que j'avais jamais vu. Il est allumage de feu et c'est tout. Ok, bah tu travailleras jamais au camp, dommage. Dommage. Ok. Tata, c'est de la laine ça? C'est quoi? Non, du cuir, super. Oh, il va me tuer, putain, j'en reviens pas. Pire, c'est que là je le OS. Ouais, c'est vraiment trop con. T'es vraiment con des fois ces combats. T'es là, tu mets des coups de pioche, tu mets 10, t'es en mode, ouais, ok, ok. Tu prends ton arbalète, un coup dans les pattes, one shot. C'est un peu con. Est-ce que j'ai fini la connexion de ça? Ouais, je l'ai complété. Quoi ce truc? Oh, il y a une instance là, enfin il y a un boss. On le fera à deux. Oh non, il y a un mammouth. Je vais devenir fou. Pitié. Pitié, pas un mammouth. En fait, il faut un arc pour gérer les mobs bas level 1. Ah, un petit arc. Ouais, je pense, hein. Parce que là, c'est trop chiant, je l'ai détruit, quoi. Quoi ça? Oh, j'ai un 9. Nice. Ok, oui. Je suis 24, je me casse. Ouais, et puis le prochain level de camp qui va te demander d'être level 28, là. Oh, mais c'est pas grave, au moins là on peut avancer. Ça te dit que là on améliore et on va faire 2 ou 3 boss là. Qu'on n'a pas encore fait, qui sont genre niveau 15 et que on est. Bon. On va one shot, mais au moins on les fait à 2. Je sais pas si on va les one shot hein. Là j'ai un boss niveau 23 là. Incroyable ça. Très bien. D'ailleurs j'ai pas le boss pingouin là. C'était où le boss pingouin? Ah c'était là-haut je crois. C'est totalement là-haut. Ouais, ça c'est bien. Je vais lancer des flèches du coup. Ah, il y a ton home en métal qui est prêt. Ok. Bah, je rentre là justement. Et merde. Et du coup, j'ai pas envie de le prendre parce que ça va te. Ça va quoi? Je te le drop. Ah oui. Oui, t'inquiète, j'arrive. Oh, t'inquiète. Hein, toi. Par contre, les notifs quand t'as des grands camps après, c'est chiant. Les notifs de machin est parti en pause et tout. Ouais, c'est un peu chiant. Tiens, regarde, prends le home en métal ici et je vais lancer des flèches. Donc là, j'ai un home en métal là. Il est censé se mettre où? Dans des accessoires? Il se met où? C'est à la place de la broche. Ah. Ah oui, nickel, je suis super là. Et il donne 50 défense, 100 PV. Ouais, c'est vraiment pas mal par rapport à la broche, tu vas voir. 15-60, ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah merde, j'ai ramassé les clous. Donc là, on va level up. Ouais. Trop bien. En fait, je vais faire les lits. Je sais plus combien ça coûte. Pour en faire 2, c'est ça. Oh putain, ça coûte du tissu. Oh, est-ce que j'en ai fait? Oh putain, tous les établis sont pris. Je deviens fou. Ouais, c'est sûrement pas ça. Je suis en train de finir les clous exprès pour ça. Merde. Alors, j'ai de la laine, je la drop. J'ai un œuf, je l'incube. L'incube. Il est fini d'incuber. C'est one shot, hein, à chaque fois, vraiment, c'est instant. Et ce sera un Angyu. Angyu. Angyu qui est transport 2, main d'œuvre 1, et collecte 1.
Et c'est quoi? C'est un trapéziste, c'est énorme. Ah ouais? Peut-être appelé à la place du planeur lorsqu'il est dans l'équipe, emmène le joueur plus haut dans les airs. Ah. Ah, il t'emmène plus haut. Mais qui le connaît? C'est vrai. Gants pour Angu Rocky. Oh, du tissu. Allez, 7 de tissu. Mais c'est pas du tout assez, 7. OMG. Il en faut combien? Ouais, il en faut 1 milliard, mec. Vraiment, le tissu, c'est du couche. On ne fait plus. Le tissu au textile, ça existe pas. Et non. C'est de la merde. Pourquoi ça existe pas? C'est de la merde. Est-ce que je démantèle pas le ranch et je fais une ferme, mec? Si, je t'en supplie, mec. Ouais, je crois, vraiment. Le cauchemar que ça. Mais pourquoi présente. Attends, je rêve ou... Pourquoi elles se sont éteintes? Ah oui, parce que c'est les mecs qui... Il faut les allumer toutes les nuits. Quoi? C'est pas une plaque. Il faut les allumer toutes les nuits et c'est les mobs qui t'allument les lingots de métal qui le font. Voilà. Ça va? T'es content ou pas? Ah mais c'est trop bien, c'est super bien fait. Hein. En même temps, tu vas pas laisser des torches allumées alors qu'il fait jour. Si elles sont infinies et qu'elles détruisent pas la planète. Ok, bon argument. Ah, ils ont faim, ils arrêtent de construire. C'est ça, bah, bonne journée. Ah, oh, dis donc. Non, vite, dormir, vite. Ils se sont tous barrés, putain. J'en reviens pas. Bon, là, le problème, c'est que si on n'a pas des moutons, ça va être le flop. Mais on en a des moutons. Ouais, mais on va remplacer par qui? On va enlever... On va dormir, je crois, là, surtout. Ouais. On dort d'abord, là. Non, mais t'enlèves les deux Kativa, là, en vite fait, là. Ouais, genre... Non, j'aimerais avoir... Les Kativa, ils servent à faire de l'extraction, mais en vrai. Bah, si on a plus d'extraction, on devra refarmer des cailloux tout le temps, ça va être chiant, hein. Bah, t'en laisses un, tu vois, parce qu'on en manque pas pour l'instant, là. Ouais, monsieur. C'est vrai qu'on a... Eh ben si, on a 0 caillou, mec. C'est pas une blague. Ça marche. D'où les affixes de vitesse de travail. Oui, mais on les chie pas, les affixes de vitesse de travail, frérot. Il faut les avoir sur les mobs. Non, mais en fait, s'il me parle... Depuis tout à l'heure, il est en mode... Non, mais les gars, vous regardez jamais les affixes des mobs. C'est tellement important. On a 2 Wyrms, c'est déjà un miracle. Et tu me dis... Bah, d'où l'importance des affixes. Je pense qu'il veut dire les passifs, non? C'est pas ça? Non, les affixes, c'est les trucs que t'as en plus sur les mobs quand tu les captures, tu vois. Ouais, ouais. Oui, donc oui, c'est les passifs. Oui, oui, exactement, ouais. C'est ça dont il parle. Oui. Et en fait, oui, t'as raison. Et j'ai jamais dit que t'avais tort. Mais je suis en mode... J'ai 2 Wyrms, j'en ai pas 50, j'ai pas le choix, tu vois. Donc genre, je mets les 2 que j'ai. Mais les gars, mais vraiment, tu veux qu'on dorme ou... je suis allongé depuis tout à l'heure là. ça va dormir là où... J'arrive, je dors. T'inquiète. Oh putain. Oh putain. Va dormir le gars. En vrai, mec, la laine, on la mettrait pas dans le deuxième camp? Bah, le problème, si tu veux faire quoi que ce soit dans le deuxième camp, c'est que si tu n'entretiens pas tes pales avec la bouffe et le côté un peu conforme... Mec, j'ai trop la flemme. Là, ça y est, j'ai eu trop la flemme. Oh, j'étais motivé. Et là, tout est tombé en lambeaux, là. Oh, putain. Oh, il a détruit toute mon envie, là. Non, mais c'est possible, en théorie. Mais sinon, on fait un train qui amène des ressources là-bas. Ah oui, ou des drones. Des drones ou des routes commerciales. Sinon, mec, je fais... Tu vois quand on est là. Je pars de là, je fais des MK4 jusqu'à l'autre. C'est mon rêve. C'est mon rêve. Ils vont... Donc lui, c'est la Wyrm Backup. Oh, il a fait vraiment que ça, hein. C'est que du moonwalk. Hein. De quoi? Elle est... On a une Wyrm qui fait des 3-6 et qui fait du moonwalk. C'est vraiment sa passion. Elle ne fait que ça. Ok, cool. C'est assez stylé à voir, en vrai. Tant mieux. Je peux changer les paramètres de la game pour accélérer. Bah, le crafting, non. En fait, c'est le premier truc que je voulais faire dans la game, c'était faire x2 à la vitesse de craft. Mais ce n'est pas un paramètre modifiable. Voilà.
Et tu vois là, le fait qu'on soit en XP x3, ça se ressent plus du tout. Là maintenant. Let's go. Attends. Là par exemple tu vois on a lui, bon lui on peut rien y faire de toute façon pour les Wyrm, frileux on peut le changer à la limite ça. Attends, je vais chercher des mobs avec des meilleurs affixes, tiens. Chef d'extraction, chef d'assaut, c'est du jamais vu non, ça. Non mais frileux c'est pas un affixe négatif, on s'en fout parce qu'il fait jamais froid. Donc c'est un faux piège frileux. On s'en tape des frileux. Ouais mais si j'ai un truc mieux. Ah si t'as mieux oui mais normalement j'ai mis des frileux quand on n'avait pas mieux. Normalement. Ouais, mais... Mais oui, tu vois, ils sont bien nos trucs en vrai. Ils sont très bien. Pourquoi t'as mis celui-là? Parce qu'il fait plein de trucs. Ah ouais, il est super son mob. Ah, oh, il est super. Hein. C'est génial. Hein. C'est vraiment, ça tue. Hein. Pourquoi il y a un poteau avec un cadavre de pingouin? Alors oui, je peux tout expliquer. C'est le mannequin d'entraînement. On a plus de cailloux! Ah mais d'accord, c'est-à-dire que là, les cailloux qui sont là, personne les amène là. Ok, ça tue les gars, ça... Ça tue ça, hein. Ça c'est top, cool. C'est top. Les gars, franchement, le fait que personne amène les 170 cailloux qui attendaient là, ça tue. Ça déchire, voilà ce que je vous dis. J'ai tellement avancé en 2 heures. Ah, nous, on a l'impression qu'on recule, hein, mais... Ouais. C'est exactement ce mais qui oui, se passe. Mais oui, en vrai, oui. En vrai, on avance. C'est vrai, c'est la vérité. Un jeu de baleine qui fait plus de. C'est sexy, qui fait plus de tissu, je m'en remets pas là. Vraiment, c'est très dur à encaisser pour moi ça. Je mets le appliqué. La recette. Et le chef d'assaut. Cours de truc, là. Non, vraiment, c'est. C'est dur à supporter. Hein. J'arrive pas à gérer, je me suis levé de table quand parce même. Parce que là. Repu. Ouais, mon attaque est montée. Oui, tu vois, effectivement, si tu te fais une équipe un peu comme ça. Et lui, qu'est-ce qu'il me donne? Chanceux. Chanceux, c'est quoi? Vitesse de travail plus 15%, attaque plus 15%. Allez, hein. Super. Mais tu vois, là, en gros... Ah ouais, mais alors, problème, c'est que tu peux pas faire des loadouts de... Ouais, tu peux pas faire ton équipe. Genre un truc en mode farming... Ouais, tu peux pas. C'est vrai que ça pourrait être une bonne amélioration. C'est-à-dire, bah là, mon équipe 1, c'est mon équipe type pour aller faire des trucs. La vitesse de déplacement, je peux me faire une équipe vitesse de déplacement, genre. Tu devrais prendre les flèches qui sont à crafter plus celles qui restent, là. Je sais pas s'il t'en reste beaucoup, mais... Ça pourrait être pas mal. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi, ça, déjà? Ah oui, stratégie de forteresse, c'est ça. Parce que dans les volets. Tu veux pas prendre les flèches, Kenny? Si, comme si, ça, si. Ça libère le truc avancé. Et on vient, on finit. Allez. Ah merde, je peux plus t'aider. C'est vraiment de la merde, ça. Comment ça, tu peux plus m'aider? Bah sinon, je prends les flèches. Non, mais c'est pas grave. Bah, hop. Non, non, prends-les, j'en ai 100. Combien j'en ai là? J'en ai 98, c'est parfait. Ah, voilà. Ouais, mais tu vois, corps robuste, c'est pété, c'est nul. Chef d'assaut, mais c'est bien ça, le plus 10% d'attaque hein, par contre, ça j'aime bien. Vitesse de déplacement augmente de 30%. Folie frère. La folie. Ah ouais. Plus 200 parce que j'en ai 4. Ah ok, je commence à capter. C'était pas mal de mettre plein de métal mais... C'est vrai que maintenant on a plus de cailloux quoi. Plus rien. Ok, et du coup là il fait de la laine, c'est ça? Mais il y a plein de laine là déjà. Enfin plein, il y en a 4 quoi. Ah mais le sac en nourriture 2, ça sert juste à avoir 2 types de bouffe sur le truc. C'est de la merde. En fait, ce qu'il nous faudrait là, tu sais, c'est des mobs transport. En fait, faut virer les moutons là, qui nous restent, ils servent à rien. Transport 2, ouais. Il nous faut des transports 2 en balle. Et j'en ai. Ah ouais? Bah mets-les à la place des moutons. Mais en fait, le problème des moutons, si tu les enlèves, c'est qu'il y aura plus de laine. C'est pour ça que j'ai remis les moutons. Ah, oui, bien vu.
J'ai mis deux moutons exprès pour avoir de la laine, parce que là on a plus de rien pour nous procurer du tissu. J'en ai mis un qui a sprinter, il a plus 30% de move speed, voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, alors oui, effectivement, pour la laine, c'est quelque chose. Ça, c'est bien vrai, ça. Putain, ils font chier, ils font chier. Tellement de choses à faire. Ouais, parce que, ouais, putain, la laine, c'est relou. Il y en a des choses à faire, là. Ah, je sais qu'il faut des alpagas. Si tu mets des alpagas, effectivement, ils vont dans le truc. Mais d'ailleurs, j'en ai un ou deux, je pense. Attends, est-ce que j'en ai un ou deux? Oh, mais il y a un Kativa Shiny, là. Il faut le mettre à la place d'un... Ah, c'est le mien, en plus. Je suis trop con. Faut le changer, lui. Hop là. Oh, il est super sympa. J'en ai des alpagas, là. C'est quoi, déjà? C'est quoi, leur gueule? J'ai de l'argent. Je crois que j'en ai pas. Ah si, j'en ai un. Un Melpaka, ici. Hop là. Disponible pâturage. Mais c'est vrai qu'il ne sert qu'à ça. C'est un peu... bon. On verra, quoi. On verra. Ok, merci Vekassi. Pardon. Merci Vekassi pour les 5 subs. Merci beaucoup. Merci RNGK, merci beaucoup. Putain, les gars, j'ai le fait que mon truc de mon décor se décolle qui me prend toute mon énergie dans ma tête, là. Ça me saoule trop. Moi qui pensais en avoir fini là. Attends, mais elle est où, mon... On doit faire quoi maintenant? Ah oui, deux lits en palme moelleux, c'est ça que je vais faire depuis le début. J'avais totalement oublié. Et ça, je peux pas. Ah si, je peux en faire un. OMG. Non, venez pas construire le lit. Tout le monde s'interrompt. Catastrophe. Ok, alors, tu les as fait là? T'es en train de les faire? Je fais que le premier, il faut 10 de tissu pour le deuxième. Ok. Le deuxième, je peux peut-être avancer dessus. Bah, il faut juste 10 de tissu. Attends. Je vais gérer ça. Je vais gérer ça. Ah super, le tissu là. Ouais, et s'il manque du tissu là, je vais tuer quelques moutons là. Bon là, j'ai deux, l'équivalent de deux tissus. Ah merde, il n'y a pas de bullet drop. Combien? Ça marche. Oui, c'est vrai qu'on pourrait aller tuer quelques lombates, je sais pas quoi là. Les lombes de base là. J'imagine qu'ils en drop. Je sais pas s'ils en drop. Oui, les lombales, ils en drop deux chacun. Par kill. Ah, deux chacun, c'est pas mal quand même. Ouais, mais là du coup, par exemple, j'en ai 8 là. Donc j'ai quasiment ce qu'il nous faut. Ah bah oui, t'en as assez. Tu peux aller les déposer et c'est bon. Mais c'est 2 pour 1, non? Bah c'est 10 pour un lit et j'en ai déjà fait un. Oui mais c'est deux laines pour un tissu. Ah oui t'as raison, oui c'est vrai que c'est pas... Et il y en a 3 qui étaient en craft, du coup j'ai 4 tissus sur moi, donc en gros il en manque 6 théoriquement. Et putain de merde. De laine. 2. J'en ai aussi un peu trouvé de mon côté. Ouais, j'ai probablement collé ça sur un placo sans pré-couche. Ça veut dire quoi, la pré-couche? Le fait que je sache pas ce que ça veut dire, c'est ça le problème, je pense, le blaireau. Hop, encore du tissu. Comparé au solo, non, on est un petit peu plus loin que mon aventure solo, là. Voilà. Ouais, le planeur niveau 2, c'est quand même pas mal. Planeur niveau 2, c'est quand même pas mal. Oui, en effet. Ouais, bah c'est pas grave, hein, je referai, les gars. Hein. On fout. Hein. Bref. Hein. Ok, je lance des tissus.
T'as déposé les trucs, la laine dans le... Ouais, tout est... ça a été fait en tissu. Ah, ok. Mais il m'en manquait un peu, je crois. Je vais faire la mienne aussi. Comme ça, on en aura un peu plus. Eh, tu vois, mon vêtement légendaire, il avance, hein. Ouais, ouais, un peu, ouais. Bah, à chaque fois que je passe, de temps à autre, j'y mets un petit coup aussi. Ok, je vais lancer le craft du deuxième lit. Ok. Enfin. Donc là, on va arriver niveau 13. Donc ça, tu l'avais fait, ça, dans ta game? Ah, oh, ça nous aggro. On nous attaque. C'est bien, moi j'aime bien quand ça nous attaque, en vrai. Alors, c'est des pales féroces, ça veut dire que c'est des trucs capturables. Je sais pas ce que ça va. Ouais, alors je vais te dire ce que c'est, je fonce dessus. C'est des lits punk, on en a pas. Vas-y, bah... On va essayer. Alors le problème, c'est que si t'as gros 5 lobes, tu vas te faire one shot, quoi. Ok. Non. Ok, y'en a des lots déjà. J'essaie d'en isoler un, genre lui. 20%. Faut y aller un peu vite, hein. Un, c'est bien, hein. Oh, mais y a des machins. Oh, y a un incinéram, c'est incroyable. Ouais, ouais, ça. Ouais. Je vais me faire one shot. Je l'ai pas eu. Je me fais détruire. Je sais pas si je peux le taper avec... Non, il s'est fait OS. Putain, tu sais que j'ai envoyé une Pokéball pile en même temps. Non, c'est my bot, c'est mon mob, je crois, en plus. Ah, fou le seum, je suis désolé. Mort. Je peux me raise. J'ai eu deux Lee Spunk. Ah non. Oh, me reste pas, c'est pas grave, fais ta vie. Je vais attendre. Jette des vertes ou des jaunes, hein, au pire. J'ai pas, j'en ai pas une seule. Ok. Je peux pas t'en dropper en étant mort. Oh, il me pète les couilles, il fait que le modèle. Bon, après, en vrai, tu restes juste là, hein. Ouais, c'est pas grave. En fait, si tu mets trop de temps, ils vont finir par fuir. C'est pour ça que je te disais ça. Ouais, je sais, mais j'en ai pas, quoi. J'arrive, je vais essayer. Je m'en suis jamais fait, pour l'instant. J'ai même pas le craft, c'est de dire. Non, mais les vertes, tu sais, on peut en trouver par terre, c'est pour ça. Attends, j'essaye. Ah bah nickel. Ah non, tu l'as pas eu. Je me demande s'il est pas trop haut HP. Bah non. Ah non, pas du tout, non. Qu'est-ce qu'il a mis? Ok, c'est bon. Nice. Bah putain. Putain, dommage, on a pas eu le flamme machin, là. Ouais. On est en quelle difficulté? Bah les mobs nous tapent 3 fois plus fort, donc c'est une difficulté perso, mais... Mais c'est bien qu'on ait mis ça, je trouve. Parce que sinon, ce serait vraiment OZEF. Ce serait vraiment OZEF. Alors... Bon, je vais finir mon vêtement en tissu. Si ça vous va. À quand les AK? Bah c'est dans longtemps, en vrai, hein. C'est pas tout de suite. Tu dois pouvoir améliorer le camp, d'ailleurs, Kenny, là. Où ça? Bah au truc pâle, là, la boîte à pâle. Ah, pas la boîte. Bam! C'est fait. Maintenant, c'est chaîne de production de sphères et générateurs. Ah, voilà. Donc là, je suis pas allé plus loin que ça. Bon, la chaîne. L'upgrade, j'avais quitté un stand, hein, donc j'ai quasiment... C'est niveau 27. Et là, en gros, maintenant, c'est l'électricité et tout. Il y a des Pokémon qui font l'électricité, qu'il faut mettre pour générer de l'électricité. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait... C'est toujours le même truc dans ce jeu-là, pour l'instant, j'ai l'impression. C'est qu'en fait, ce sont des Pokémon que tu ajoutes, mais qui ne règlent pas le problème des autres. Et oui, c'est ça. Et donc du coup, c'est des surcouches sur des surcouches sur des surcouches, et on a toujours deux camps. Bah je pense que la solution, c'est qu'il faut faire notre premier camp qui fait les ressources T1, toujours pareil, tu vois. Vu qu'en fait, on est limité en nombre d'ouvriers, à mon avis, la solution, c'est ça. C'est de se dire, bah en fait, là, on est plus censé faire, par exemple, du bois, des cailloux, dans notre camp ici, par exemple. Je pense. Ah, tu penses que... comme ça, tu vois. Là, on est en train d'abuser, là. Disons que t'as pas trop le choix au bout d'un moment si tu veux commencer à faire de la laine et tout. En fait, tes deux camps, ils vont servir à faire, je sais pas, par exemple, les 9, 10, 15 ressources dont t'as besoin et tu répartis. Ouais, ok. Moi, je le vois comme ça. D'accord, bah écoute, il faut monter niveau 27, quoi qu'il arrive. Hein. C'est le niveau qu'il nous faut. On va aller se battre un peu là, on va aller se bastonner là. Je suis chaud. C'est longtemps qu'on s'est pas bastonné un peu là. Très chaud. Ok, et eh ben écoute, t'as pris un peu de pales bleues, t'as pris un peu de flèches. Des pales bleues, j'en ai pas une, j'en ai deux.
C'est tout ce que j'ai. Les flèches, j'en ai 90. Et réparer mon stuff, je le fais maintenant. C'est... Je n'utilise plus jamais cette armure. Voilà, c'est donné. 4 pièces antiques, la réparation. Combien ? 4. Ah ouais ? Oh, c'est marrant. Là, je viens de jeter mon autre armure. C'est pas grave. Bon, après, si tu l'as acheté, c'est ok. Si tu l'as pas détruite, ça va. Pour l'instant, ouais. Ok, bon, vas-y, on se casse. Je propose qu'on aille... Ah, mais toi, tu l'auras pas, cette épée. Bon, on s'en fout. On va au camp Ruine du Fort. En plus, je vais te montrer un... Tout c'est au nord, là. En plus, je vais te montrer un coffre Ruine rouge. Ruine du Fort, ah oui. Tiens, regarde. J'ai deux sphères, c'est dingue. Juste ici. Ok, nice. Rouge. Ça, c'est les coffres avec les clés. Plan de vieillard que 2. Vieillard que 2. Ouais, c'est des trucs qui font plus de dégâts, mais bon. Là, on va tout droit sur l'île en face. Ah, mais j'ai vraiment un bug, j'ai plus les bruits de pas de mon Erectir. Ah merde. Quoi ce bruit ? C'est moi qui tire. Oh, tu fais. 3700. Okay. Ouais, 3158, moi j'ai vu. Un peu overkill. Ah, j'ai faim, fuck. Petite Kativa. Oh, tant pis. Hein. Tiens, c'est par là. Attends. Ah non, c'est là. Là-haut. Je te suis. Ouais, c'est là. Ok. Là, tu cliques là. Entrer dans le donjon. Ça marche. Ah ouais. Et là, ça fight direct. Let's go. Il me regarde moi. Fuck. Il est trop stylé ce mob. On devrait pouvoir le capturer, hein. Je te le dis. Je lui envoie le big hit. T'as une petite bouboule verte ou jaune? Des Pokéballs? Non, j'ai que des bleus et j'en ai deux, donc Ok, bah je tenterai avec une jaune. J'en ai plus que deux des jaunes, mais je tenterai. Par contre, elle prend cher, hein. Elle prend très cher, elle a pris un 500, là. Hein. C'est elle qui a pris un 500, ou c'est... Kimi qui joue encore sur mon tueur. Hein. Ah ouais? Je veux pas qu'on réussisse les mobs. Mais tu sais que tu peux taper à l'arbalète quand t'es sur ta monture, hein. Ouais, je sais. Stop. Ouais, j'arrête. 14% avec la balle jaune. FF. Oh. Mais non. Oh, c'est bon. Let's go. Incroyable. Énorme. Trop bien. Si. Nice. Bon, bah génial. Oh. C'est fait, hein. Alors attends, c'est quoi? C'est quoi ce mob? T'as l'air d'être une folie. Travaux manuels 2, pharmacie 2, transport 2. Bah parfait. Pas mal. Ouais, pas mal, hein. En vrai, il faut le remplacer par un des trucs qu'on avait. Et j'ai 8 pièces antiques. T'as un TP là-bas. Sur ta map, là au nord, si tu vois. Ouais. De toute façon, on va aller le prendre, je pense. Putain, le 14% qui se révèle être 100%. Ouais, c'est magnifique, hein. Attends, de la laine. Si on allait par là. Vas-y, hein. On va... Au ouais, continent ouais. À explorer. Oh, y'a des fuck. Y'a des fuck ici, là. Y'a des rubies, y'a des fuck. Âme de petit pâle, je viens de loot. Hein. Ça, c'est bien, ça. Imagine, je... Paf. Fais gaffe, tu vas one-shot, hein. Ouais, je sais, ouais. Mais là, on complète, là. Et moi, je n'ai pas de sphère. Mais t'as pas des petites bleues? Mais j'en ai une. J'ai dit, j'en ai deux. Depuis tout à l'heure, j'ai dit, j'en ai pas. Moi, j'en ai pas. Faut que t'en craftes, hein. Bah ouais, mais j'ai pas le temps. En fait, je suis actif au camp. Et en fait, on est parti. Et j'étais en mode, bah j'en ai pas, tu vois. Comme... Ah ouais. Ouais, non, mais je vais là. Dommage de partir sans. Mais je vais t'en passer, du coup, hein. Parce que c'est trop dommage. J'ai zéro, j'ai même pas le craft des jaunes, pas le craft des vertes et j'ai pas de bleu quoi, j'en ai plus. Non mais au moins les bleus tu vois. Moi tout à l'heure je m'en suis crafté 50 là. Tiens viens.
Ce serait bien ça. Lancer. Se lancer, mes aïeux. C'est superbe ça. Ah, ce serait bien que tu arrêtes et que tu rentres. Pitié. Genre là, vas-y là. Oh, bah comment ça, tu m'as hit toi? Mais c'est impossible, t'étais même pas dans le vrai monde. Bah ouais, en fait c'est parce que avec le lag, c'est pour ça que je te disais, quand ils sont dans le truc, je prends des hits en fait. Ah. Je lance le truc, ils sont dans la balle et ils me lancent des hits en fait. Eh bien, on va... J'ai trop envie d'aller là, en face, parce que c'est une map inexplorée. Vas-y, je suis chaud. Je vais tester. I'm grimping. Il te faut un peu d'endu en bas, fais gaffe. Si t'as pas full regen. Ça passe large, large. Tant mieux, tant mieux. Si on a des mobs qui volent, mais on a pas fait les selles et tout, on a... Ah ouais, putain, y'a masse truc là. Oh, Gorirat, niveau 23. Jamais vu. Qui le connaît? Oh, il y a des gros trucs là, c'est level 30. Oh là là, génial. Alors par contre, on n'aura jamais les Pokéballs pour les avoir. Wow. J'avoue. Ah oh, ouais, d'accord, bah, vas-y, hein, démolis-moi, je te dis rien. Wow. Je range. Ah ah ah, je suis mort. C'est juste d'avoir lui. Ah, putain, il m'a one shot le matin. Oh, t'as fini? Mais tu peux pas, il m'a one tap instant. Oh non. Oh, les dégâts sont colossaux. Pourquoi F os 2? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un bug. Mais jamais je pourrais le capturer. 6%? Impossible. 6% avec une bleue, non? Enfin, 6% avec une bleue, ouais, mais j'ai pas les autres. J'en ai plus. J'ai plus rien. Faut refaire du métal, en vrai, pour les avoir, non? C'est tout. Non! Oh, putain. Je suis en train de m'obstiner avec mes petites boules bleues de merde là. Je suis en train d'arriver, de toute façon je dois venir chercher mon cadavre. Ça marchera jamais, hein. Ça ne marchera jamais. Ouais, c'est là qu'avoir une chilette qui gèle là, ça aurait été pas mal en vrai. Oh, j'en ai eu un. Oh oui. Avec les petites bleues. Oh, trop bien. Il a quoi comme capacité? Eh bien, c'était quelque chose là. Travaux manuel 1, abattage 2, transport 3. Je couvre ton corps. I'm covering. Ouais, mais je vais mourir, je pense. Quoi? Pourquoi? Parce que le mur a bugué, j'ai plus d'énergie, je suis en train de me noyer, c'est infernal. Oh non. Les Mossandra level 27, je pense jamais j'aggro, hein. Impossible. Ouais, mais j'ai même pas de... Démolis-le. Tu veux que je vienne t'aider? Non, ça va pas l'air. Bon. J'ai le droit au bonheur. Faut que tu te mettes full enduit avant d'être... Ouais, mais c'est pas le problème, hein. T'inquiète, hein. Ok, ok. C'est le mur, hein, qui bug. Putain. C'est quoi ça là-bas? Des bigardes. Ok, good, je suis passé. Niveau 21. Yeah. Oh non. Mais what the fuck? Mais elles sont belliqueuses! Attends, mais c'est du jamais vu là. Qu'est-ce que c'est que ça? Les bigards. What the fuck?
C'est quoi ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mec, les bigardes, c'est des banlings. Elles se suicident, elles explosent. Ah ouais? Elles ont fait tip tip tip. Elles explosent. Et du coup, si tu veux les capturer, faut avoir un burst DPS, j'imagine. Il faudrait un TP là. Ouais, ouais, je sais. Justement, je suis en train de chercher. Il y a une lumière verte là-bas. Il faut une voiture volante pour y aller. Attends, il y a un coffre bleu. Ouais, vu. Oh non. Tu vas, tu vas. Je suis tombé. Ok, tombé. Il y avait une mégasphère dedans. C'est déjà ça, mec. C'est déjà ça. Genre, par exemple, la Elisabeth là-bas, là. Ah ouais. Niveau 28. Non, mais jamais de la vie, jamais, jamais, jamais. Oh, attends, attends, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Il y a des braconniers niveau 28. Ouais, 20, vu, mais. Oh, Viens, on monte, y a hein. Pas de TP, y a rien. Ouais, on est au milieu d'une zone là. Attends, j'ai plus les bruits de pas de mon renne. Du coup, ça fait vraiment silence total. Putain, bizarre. C'est trop bizarre. Je pense qu'on devrait aller au sud-est, au sud-ouest, pardon. Il y a une sud-ouest. Ouais, il y a une petite route là qui part là-bas. J'imagine qu'il y a peut-être un truc là-bas. Bon, on y va direct. On a pas, on peut couper à travers champ, je pense, non? Ouais, probablement. La Mossanda. Braconnier. Ah, ils sont level 10. Oh, ils sont contre un Mamorest. Ah, mais j'espère qu'il a one shot tout le monde. Bah, ouais, ils sont niveau 10. Des Goriates encore. Y a pas de TP, mec. Pas de TP. Ouais, oh, y a rien du tout. Ok. C'est pas grave, c'est pas grave. J'avance quand même. En vrai, on peut peut-être remonter par. Par la plage là. Oh, c'est quoi ça? Oh, y a un boss surtout. Tout droit, un TP. Un boss? C'est un boss? Bah, le cercle, c'est un boss. Ah oui, 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 exact, exact, t'as raison. C'est quoi ça? Ah, des balles de pistolet. C'est pas des bras de Giga Chad, c'est des bras normaux. Il vaut combien le boss? Voyons voir. 30! Oh putain! FF. C'est Warsect. Et il y a des. Il y a des gobfins partout là. Ouais. Oh, je vais aller chercher la petite light là-bas là. Petite light verte là. Petite light verte au fond, je vais me la mettre. T'en as rien à foutre. Bah ouais, ils dorment. Ah, c'est vrai que c'est la night. Le jour se lève, non? Ah non, la nuit tombe. Rien à voir. Et on est good, ouais. Y'a rien d'autre là. Oh, c'est quoi ça? Ça va pas de se faire un petit gobelin, je sais pas quoi. Hein. En vrai là. Vas-y, vas-y si tu veux. Eh ben voilà. Okay. Alors, je pensais pas vraiment à ça. Ah ouais, d'accord, il est trop low là mon pourcentage de chance. Verte. Ah non, peut-être pas tout de suite. C'est moi qui prends. Ah ouah, c'est nous qui prenons. Oh non, il va aller dans l'eau, c'est plus jouable. Bon, je vais me mettre là, comme ça il recule vers toi normalement. Attends. Oh, c'est gagné. Pff, incroyable. Trop bien. Nice, ok, nice. Très bien, très bien, très bien. Bon allez, côté P, hein, on se casse, non? Putain, heureusement que t'as mis XP x3, quel enfer. Tu vois, je t'avais dit au début, on avance très vite. Mais en fait, là... En fait, le grind dans ce jeu, c'est une purge. C'est horrible. C'est ça. Le grind est vraiment pas facile. Attends, attends, c'est quoi ça? Serpent? Ah oui, c'est le Serpent, c'est celui... J'en ai eu un... C'est en gros un truc qui te fait pas dépenser de stamina dans l'eau. Ah, y a un énorme oiseau, y a Elzéphir juste derrière là. Quoi? Ok, il m'a détruit, cool. Oh, tu tentes Elzéphir! Wouah, c'est un oiseau de feu, il a trop, il pète la classe. Ouais, j'ai vu son attaque, incroyable. Ouais, c'est bien, je lui fais des bons dégâts, c'est cohérent. Je pense pas que je peux lui remettre. Ok. Du coup, à partir de là, je vais la tenter. 2% comme ça, c'est une folie. Hein. Oh oui, je l'ai eu, Solfent. Ouah, non. Okay, Elzéphir, on tente. Ouais, attends, je vais juste... il faut le damage un peu, le problème c'est qu'il a pris assez cher. Ouah, il me reste une verte, si jamais, il faudrait qu'on le mette encore plus low.
Ouais, mais j'en ai une aussi. Ah, mais on peut pas voir ses HP. Non, ça a lancé la verte. Ah ouais. Ah, c'est peut-être bon, hein. Non, non, non. Oh merde! Oh putain. J'essaie juste de le garder au même endroit. Il nous faudrait vraiment une arme CAC qui tape pas mieux que 1. Oh putain, j'ai lancé ma verte. C'est combien avec la verte là? Ah, 2% avec la verte, hein. Ouais, c'est impossible, hein. Putain, il a un flow de fou, hein. Sur un malentendu. Lui, il doit avoir transport et allumage du feu là. Les oiseaux, ils ont transport 3 souvent. Bien de la chance de pas mettre FOS là. Pas mal là, non? Il a combien de combien d'HP là? On est quasiment bon là, non? Je vais tenter la verte, hein. Est-ce que stop? Stop, je pense, non? Bon, 2%, il y a écrit, hein. Allez, bonne chance à tous, hein. Je vais tenter mes 6 dernières bleues, hein, Osef, hein. Ouais, ouais. Moi, oh, dommage. Pas besoin de bouger, elles non. Elles vont vers où? Elles vont vers où? Elles vont nulle part parce que tu l'as cancel. Elles ont cancel, ouais. Ok, plus que 3. 2. 1. J'en ai plus. What? Allez, bon, on peut le tuer, hein. Ah, mais t'en avais! Mais c'est des bleus, c'est des bleus, c'est des bleus. Tu le tentes? Ouais, écoute, hein. T'en reste pour ce que ça vaut, il m'en reste 12. C'est ce que tu m'as filé tout à l'heure. T'as tenté les 12? Ah ouais, je m'allais qu'un. Franchement, 3%, il y a un monde, hein. Vas-y, pendant ce temps, je vais voir s'il n'y a pas une verte pas loin. Dans les environs. Vas-y, vas-y, vas-y. Attends, il y a un coffre là? Peut-être que je peux choper une verte? Ah? Attends, 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 ne tue pas. Ah non, j'ai pas. Ah, j'ai une gigasphère! Une jaune! Tu sais que là, ça a bougé une fois, là, j'ai commencé à y croire. Hein. Attends, le tue pas s'il te plaît. Mais je tue pas, t'inquiète. Ok, 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 ok. Ok, j'ai. T'en reste combien? On reste 4. Ok. Hein? Oh! Oh, oh! Non, je l'ai eu! Oh la légende! Oh parfait! Putain, qu'est-ce qu'on en a claqué? Ouais, je te jure, c'était pas mince du tout. Bon, allez, on rentre. Putain, trop bien là. Il y a une verte là-bas. Quand un Elzéphir va sortir d'une putain de sphère bleue là, quand je vais le lancer, vraiment incompréhensible. Hein. Comment c'est possible? Trop bien! Oh, j'ai trop hâte de savoir ce qu'il fait. Moi je dis transport 3, allumage 2. Ouais, un truc comme ça. Moi je dirais un truc comme ça. On rentre? Ouais, là on va au camp là. Faut faire le bilan de tout ça. Ah, je vais regarder direct là. Alors, il est où moi, Elzéphir? Il est là. Oh bah putain. Ah. Il fait quoi? Alors, c'est un très bon compagnon de combat, mais il a que transport 3. Ah ouais? Il a que pas ça. Allumage. Non, il a que transport 3. Par contre, du coup, c'est une monture volante, donc c'est cool. Et quand t'es dessus, en fait, il fait le même effet que le petit, toutes tes attaques deviennent ténèbres. C'est énervé. Ah, et il a 400 de. Et en attaque, il a 400, genre, c'est vraiment vénère. Ah oh ouais, d'accord. Il doit être bien colossal quand même. Hein. Ouais, ouais, il est très stylé en plus. Hein. Franchement, il a un flow de fou, ouais. Putain, dommage, il a eu la fixe vitesse de travail plus 20%, c'est vraiment trop nul, hein. C'est... trop, trop gaze. Ah, j'avoue. Ça va les oiseaux, là? Ils sont FK? C'est cool, en vrai? Ah non, ils font de l'allumage. Ah, mais tu vois, là, il y a écrit allumage en cours sur les deux oiseaux, et en fait, les deux bugs. Ah ouais? Donc là, faut les enlever et les remettre, les deux. Très mal, très mauvais, très très mauvais. Ouais, tu vois, c'est ce genre de truc que le jeu, il a un peu du mal à gérer pour l'instant. Oh, t'as mis un... Ouais. Allez, hop. S'adore. S'adore. Va falloir la faire, cette B2. Ben, on l'a, mais on l'utilise pour farmer du fer, quoi. Ouais, pour farmer du fer. Tu voudrais pas que là, on, avant de dormir, là, on fasse un peu de palladium? Comme ça, on met des boules à crafter. Si tu veux, mais on peut le faire demain, ça change rien, non? Ah oui, tu veux le faire là. C'est juste que là, il y en a un peu, donc je me dis... Mais les outils améliorés, ils te permettent pas de farmer plus? Bah moi, je me les suis craftés. Ah ouais, ok. J'ai fait une hache et une pioche. Mais je me rends pas trop compte. Genre, fais un truc de palladium là, dis-moi combien tu fais de palladium dessus. Ok, lui là, par exemple. C'est 5, une node sur ton serveur, c'est 5.
J'ai fait 5. Ok, tu le fais plus vite, quoi. Ou peut-être juste t'as plus de durabilité. Ouais, c'est vraiment 5. Hein. Ouais, bah c'est trop nul. Hein. Faut faire ouais, des grottes. Ouais, c'est pas dingue. Hein. Sinon, faudrait qu'on se refasse une petite grotte. Ouais, c'est ça, hein. C'est dans les grottes. Ah ben le jour vient de se lever là. Ah ouais. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'on fait que des gigasphères et qu'en fait on arrête de capturer les petits. Et voilà. Bah le problème c'est qu'on est obligé d'XP quoi. Et ça donne beaucoup hein. Tu sais que même les petits niveau 4 là, si tu fais une collection, c'est 1000 d'XP, tu vois, c'est énorme. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est énorme, c'est énorme. On peut transformer la pierre en palladium aussi. C'est vrai qu'on le fait pas assez, ça. Ben, je l'ai lancé, hein. Mais bon, le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui arrose. Il n'y a que Pengulette. D'ailleurs, t'avais pas un Pengulette shiny, là ? Si. Tu voulais pas le remplacer, notre Pengulette actuel, par le shiny ? On peut, hein. Si tu t'en sers pas, hein, je sais pas ce que t'en fais. Oh non, rien. Mais bon, il va. Si, il sera mieux. Il sera forcément mieux. Hop, le shiny. Voilà. Oh, le gros Pengulette. Non, on peut pas le travailler nous-mêmes, ok, d'accord. Le problème, c'est que l'arrosage, il doit le faire sur les 3 champs qu'on a, plus le broyeur. Après, il a plus 15% de vitesse de travail. Bon, ça va être ok. Ah, d'ailleurs, je vais enlever une ferme à baies. Dans ma game, je l'ai fait ça. Parce qu'en fait, ça prend trop de ressources pour rien et c'est pas worth, c'est nul. Oui, on a 300 baies, on en a beaucoup trop. Oui, en fait, c'est ça. Et en fait, ça génère tellement de charges de travail avec toutes les étapes qu'il y a que ça vaut pas le coup du tout. Je vois. Ok, donc ça c'est fait. Ah ouais, oui, donc t'es sur de la gigasphère, ok. Bah ouais. Ouais, t'as raison. Est-ce qu'on se ferait pas une petite grotte là ? Si, je suis chaud. En fait, effectivement, peut-être qu'on devrait se faire des sessions genre, c'est énormément de métal, puis énormément de cailloux, puis énormément de palladium, et ensuite on va taper. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Ah mais là, j'ai des ingrédients qu'on n'avait pas du tout. J'ai envie de refaire un coffre en métal, là. Que tout le monde y aille! Ok. Ah ouais, tout le monde, tac, 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 tac. T'as refait un coffre, t'en as eu marre? Bah, en fait. Ah, mon œuf! Je sais pas. J'avais oublié mon œuf. J'avais trouvé un œuf. Ah, une clé en argent en plus des clés en bronze. Ah ouais, donc il y a des coffres qui nécessitent ça. Et ah, donc, ça, c'est un verre d'âge. C'est quoi un verre d'âge? J'avais même pas capté. What? Statue, on en est où là? Oh, il est énervé, mec. De quoi? Semence 2, travaux manuels 3, abattage 2, transport 2, collecte 3. Voilà, c'est pas mal hein. Quoi? Vas-y, mets-le hein. Et c'est un très bon sidekick en plus pour se combattre. Il est excellent. Je sais pas, je remplace par quoi par contre. Est-ce que je le mets en mode Ah mais attends, t'as mis un Melpaka mais il fait que de la laine lui. Ouais, mais il en fait plus. Ouais. Ouais, après tu peux l'enlever, on peut se dire qu'on a que le mouton. Je sais pas. Ouais, un truc de laine qui tourne, c'est ok, non? Regarde là, je le sors là. Il est trop stylé, mec, regarde-le. Ah ouais! Trop classe! Je l'ai eu dans un œuf. Trop classe, putain. Wouah! T'es pas. Tédédéo! Ah ouais! Mais il devient fou par contre, tu veux pas? On peut pas l'empêcher de faire ça? C'est nul. C'est guess de fou ce que tu fais là. Bah si on peut, en enlevant tous les arbres du camp. Mais ça m'a pété les couilles. Ça m'a trop pété les couilles. Alors sache que tu peux affecter des pales à une tâche précise, mais par contre ils font ça toute leur vie, donc après s'ils sont bloqués, bah faut les enlever quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Tu tapes deux fois plus fort que moi quoi, putain c'est pas... Va les faire là, fais les outils en métal. Attends, tu veux que je te les lance peut-être, si tu les as pas fait?
Je crois que je les ai. C'est à l'établi perfectionné par contre, sinon tu pourras pas. Ah ok. Chun-Li le bail. Mais là je crois que c'est parce que j'ai Eric Tirdir dans mon équipe, non? C'est pas pour ça? Je fais de l'abattage hyper vite? Non, je pense pas. Si? On sait rien, mec. Je sais pas, mais en tout cas, tu démolis, hein. Est-ce que c'est pas la Syrie qu'on devrait virer, en vrai? Je sais pas. Non. Non, c'est trop vénère, tu penses? C'est trop bien d'avoir un peu de passif de bois tout le temps. Moi, je pense que ces trucs-là, c'est trop cool de les avoir tout le temps. Non, non, ça se passe. Hein. Ils mettent des gros coups de poing dans les arbres, ça me termine. Non, mais à mon avis, ce serait pas mal de le laisser. Enfin, je sais pas. Non, t'as raison, faut le laisser, c'est bien. Oh, 38 de tissu, on peut faire là, quel bonheur. Ah, vas-y, je t'aide. Ouais, le tissu, c'est bon, on peut enfin en produire. Tu peux faire la pioche aussi, ou c'est... La pioche, j'ai aussi, je viens de la faire. Alright. Donc ça, c'est bon. Ah oui, ok, d'accord. Oui, ça va quand même beaucoup plus vite. C'est beaucoup moins décourageant, quoi. Ouais. Bah, surtout que là, il était temps, quand même. Ok, ok, très cool. Très, très cool, même. Une selle pour Azurob. Bah, je ferai jamais ça, hein, voilà. Oh ! Oh ! Quoi ? Oh, attends ! Oh, j'ai envie de faire un truc, je suis désolé. Ça vaut beaucoup d'argent, mais c'est... Ça augmente l'arrosage. On va faire la fontaine. Ah, on peut le faire ? Ouais, on a assez. Il fallait beaucoup de fluide de pâle, c'était ça qui manquait, et on a enfin assez. Oh, ça, c'est trop bien. Mais ça, on devrait tous les faire, mais vas-y, ils coûtent tellement cher. Les trucs, il faut 100 lingots et tout, là... Bah, j'espère que ça augmente beaucoup, hein. Bon, je pense pas grand chose, hein. Ah ouais? Moi, je m'attends à rien. Mais on saura jamais, je pense. On saura jamais, effectivement. Alors, voyons voir à quel point ça va vite. Ah si, ça va quand même très vite, hein. Oh si, pour un arrosage tier 1, c'est énervé, hein. Ça va très très vite. Oui, ça va très très vite pour un arrosage tier 1, là. Ok, bon. Oh, cette merde. Il va pas bien, lui. En train de se baigner. Putain, miner des cailloux, c'est quand même pas mal parce que là, ça fait du palladium, du métal et de la pierre, quoi. C'est quand même pas mal du tout, hein. Ouais, c'est bien, c'est bien. En vrai, ça va vite. Très cool. De miner quoi, pardon? Des cailloux. Ouais, des cailloux, et c'est bien. Ça donne tout. Trop pipou, les esclaves. C'est vrai, hein. Vous avez vu? Ils sont pipou, nos esclaves, hein. C'est vrai. Factuel, hein. Factuel, la beauté de nos esclaves. On est où des lingots de métal, là? Ah oui, j'avais lancé un peu de charbon, parce qu'il n'y avait plus de métal. C'est ça que j'avais fait. En fait, c'est moins énervant de farmer le palladium, parce que le palladium, tu mets pas deux coups pour avoir un palladium avec ça, c'est quand même un peu délicieux. Hein. Ouais. Pourquoi j'ai enlevé la maison? Non, elle est là-bas. Ah, c'est une autre game par rapport à hier. My bad. Alors... Bon, pour ceux qui sont sur le live depuis le début, sachez qu'on a fait la moitié du live environ. On vient de passer la moitié, là. Voilà. Ken n'y a pas réagi, peut-être qu'il déconnectera avant. Il a juste ri. Je suis en train de farmer du métal, mec. Ça promet, les gars. Ça promet. Camp, hein? T'es au Metal Camp? Non, pas du tout. Mais n'importe quoi. Non, je suis juste à côté, en vrai. Non, pardon, je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Je regrette un peu. Oh, putain! Le camp du métal, ça va pas du tout. Ok. Voilà les gars, je comprends pas. Là, je comprends pas, les gars, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a plein de ressources par terre, vous êtes des transporteurs, mais rien ne se transporte. Là, j'ai pas les mots, là. J'ai pas l'aime. J'ai pas l'aime. Ouais, vas-y, arrose, arrose, arrose. Faut transporter, les gars. Oh, tu m'as saoulé. Il me faut un. Pas toi, hein, le. Ah ouais? Le. Non. Non, non, le paldex, le pal... Non, le... Putain, j'ai pas le...
Qu'est-ce qu'il te faut? Faut faire, mec. Non, il me faut un arrosage 4. Un arrosage 7. Arrosage 7, il faut. Ah ouais? Ça existe ou pas? On n'a pas. Ok, un arrosage 5 3, suffira moi. Alors. Moi j'ai 3. T'as eu où? Bah tu sais le mob qui surfe sur l'eau là. Il est arrosage 3 lui? Ouais je crois. C'est qu'il est légendaire ce moment. Pourquoi tu veux arrosage 3? Parce que j'en ai marre, j'ai envie que ça aille plus vite. Pour faire quoi? En fait, arroser des baies plus rapidement, je crois pas. Non, je veux avoir du palladium avec de la pierre plus rapidement et de la farine plus rapidement et que ça arrête de galérer. Bah, je peux le mettre, mais le problème de ça, c'est que... qu'est-ce que je voulais dire? Ah, il fait que arrosage. Il est arrosage 2, en et plus. Ouais, hein. C'est exactement ça, il fait que arrosage, c'est ça le problème. C'est exactement ce que je voulais dire. Alors lui, il fait lingot de métal. Mais elle est trop worse, la gigasphère, comparée à la... Comparé à la méga. En fait, oui, elle coûte deux fois plus cher. Ah non, elle est pas worse en fait. Parce que du coup, est-ce qu'elle donne vraiment deux fois plus? Ouais, mais elle te permet de taper des mobs plus haut. Oh, let's go! Nous sommes attaqués! C'est chez nous, c'est ici, c'est le Metal Camp. Ah, c'est le métal? Ouais, tu peux venir, hein, cela dit, si tu veux. Ouais, j'arrive, j'arrive. Oh, y a un flamme truc! J'arrive, j'arrive. Non, je peux pas. Tiens, juste descends-le si tu peux. Bah, je veux. Non, viens ici! Non! Non, arrêtez! Il est à moi! Ils l'ont, ah, ils je l'ont... meurs! Ah, c'est bon. Je suis en train de le fumer, mais pour l'instant, ça va. Je me fais une gigasphère. Je l'ai connu au knockback! Putain, j'ai mis une sphère trop tôt, je suis trop con! J'arrive. Putain, j'aimerais bien qu'on puisse faire un troisième camp, là. Ok, je suis là. Je crois que je l'ai. Je l'ai. On est allé. On est allé. Let's go. Incinérable. I got it. Tous les autres ont fui globalement. Reste là toi. Attends, je l'ai eu. Attends, le Lispunk, on l'a. Tu l'avais eu le Lispunk, non? C'est nul? Ouais, j'en ai eu deux. Je sais pas, j'ai pas trop regardé ce que ça faisait. Oh mais ils donnent des clés en bronze quand tu les tues. Merde. Attention, hein, j'ai tapé moi aussi. Hop, viens moi. Ouais, vas-y, prends. Même un peu trop oh trop HP. Bah, il était. Bah, j'avais 70% de chance quand même. Hein. Je suis mort. Me reste pas, occupe-toi du mob. Je peux le faire. Hein. Reste là. Hop là, dans la gueule. Tu gaspilles trop, tu veux pas baisser ses HP? En vrai, tu gaspilles de fou. Mais... Qui crie comme ça? Bon, t'inquiète, je... Hop. Non mais là, c'est impossible. Je peux plus le taper, là, en fait. Tintin, mort! Si je le tape, il meurt. Ah, mais il a disparu. C'est lui qui va prendre. Ouais, parce qu'au bout d'un moment il fuit, tu sais, comme je te l'avais dit. Ouais. Exactement. Ok, bon, pas dramatique en vrai. Oh, je suis trop content d'avoir eu un flamme truc. Ouais, c'est bien ça. J'espère un que. Un peu que c'est bien, ouais. Enfin, pourquoi il est bien, je me souviens plus. Parce que il incinère. Parce que c'est un incinérateur 2, en gros, on a les Wyrm ah, maintenant. Oui, je crois mais... que c'est ça. Ah oui, c'est un allumage, mais sauf qu'il a aussi extraction, travaux manuels et transport 2. Oh oui, ok. Ouais, donc c'est vraiment incroyable. Ok, bon. Dans cette B2, qu'est-ce qu'on a là? Ah, ils sont tous KO, les moutons. Ouais, ils sont KO parce que ils ont pas de... Bah, en fait, ils sont morts, en gros, de faim, quoi. Ils sont morts, globalement. Ouais. Est-ce que... Attends. Non, c'est pas ici qu'il doit être, lui. Ça fait quoi, ça, si tu me là-bas? Pas beaucoup de transport 2, hein. Ah ouais. Les Capriti, là, ils peuvent faire pousser des baies rouges sur leur dos, et donc du coup, t'as juste à les mettre dans des fermes, et hop, ça fait des baies. Ah ouais? Ok. Pas mal, ça, en vrai. Pas mal, du tout. Merde. En vrai, je serais presque chaud qu'ici, on mette une ferme, et qu'on mette un Capriti et le truc qui fait de la barbe à papa, dans la ferme, les deux.
comme ça, hop, on a deux ressources en plus gratuites. Attends, mais c'est vrai que t'as mis le boss là. Et ouais, mais en fait, le problème de ça, c'est qu'ils vont. Ils vont finir par ne plus y aller dans ta ferme. Pourquoi ? C'est ça le problème. Bah parce qu'ils vont être malades, pas de lit, pas contents, tu vois ce que je veux dire ? En fait, vu que t'as pas tous les services, entre guillemets. Enfin, on se dit, on peut essayer, hein. Après, je suis pas trop sûr de ce que je dis en vrai, mais. Ouais, je m'en rends pas compte. Ah, t'as fait des gigasphères, c'est cool. Ouais, j'ai lancé, mais j'en ai pris une et elle a raté du coup. Ouais, normal. Mais éclate pas le diome trans, non, mais vas-y, c'est bon. De quoi ? On va y faire une grotte, mec. Non, parce que je voulais faire un méga bouclier pour ma vie, mais c'est 30 éclats de palladium. C'est trop casse-couille. Mais bon, je vais le lancer, je pense que c'est un passif. En vrai, c'est bien. Alors, hop, hop. Oh, je vais remplacer mon mob, là. Ferme plus bac à nourriture. En fait, faut ferme plus bac à nourriture plus les lits. Et déjà, ils mangent infini et ils dorment. Voilà, ils ont la base. Sauf que encore une fois, ils nous permettent de faire qu'un seul camp. Et ça donne envie de sauter en fait. Mais non, il y a deux camps. Oui, mais enfin c'est que deux camps, tu vois. Niveau 13, là, on devrait pouvoir en avoir 4 en fait. Mais non, 4 camps, qu'est-ce que tu racontes? Mais si, parce que là, on est bloqué de fou, là. On est méga lock. On n'est pas lock, hein. C'est juste qu'on n'est pas assidu, enfin, on n'est pas appliqué. Ah, parce qu'en fait, il y a des moyens de se déloc, tu vois. On pourrait aller au village acheter des trucs, on pourrait aller faire des grosses sessions de farming de palladium. En fait, c'est juste qu'on veut un peu tout faire en même temps, mais si on s'attelle à une tâche, mec, en deux secondes, c'est fait, hein. C'est toujours pareil, hein. En fait, c'est toujours pareil. Tu crois pas ? Qu'est-ce qu'il fait encore ? Il t'allait recoller ses feuilles, là ? Vous avez 15 workers, vous avez custom à 20. Non, là on en a 14. Ok. Ouais, donc je disais pendant que tu tapissais. Désolé, ça casse la gueule derrière moi, je deviens fou, frère. En fait, là t'as l'impression qu'on est lock parce qu'on s'attelle pas à une tâche, mais en fait, si on se dit bah là on fait ça et on y va pour le faire, en fait on règle tous les problèmes instant, tu vois. Oui, j'ai envie de m'occuper du deuxième camp, mec. En fait, c'est juste qu'on veut tout faire en même temps. Ouais, parce qu'on est trop fort. Non, parce qu'on a envie de tout faire en même temps, parce que c'est excitant de se dire on avance sur ça et puis en même temps ça. Moi, je préfère dire qu'on est trop fort. Ok, on est trop fort. Des putains de légendes. On est des putains de légendes, frérot. Tout ce qu'on est. Mais ouais, mais ça va coûter cher. Est-ce que je vais de l'autre côté ? Je vais de l'autre côté. J'ai envie de m'occuper de l'autre camp, j'ai envie de faire le truc avec le ranch, comme j'ai dit et tout là. Enfin, le ranch, non, la ferme. Je vais le faire, je pense. Ok, est-ce que tu veux que je vienne ? Tu peux, hein. Bah, tu sais quoi, je vais venir quand même pour faire le métal et tout, de toute façon. Vas-y, vas-y. Moi, je vais déblayer et... Alors, attends, c'est les petits lits, moi, dont j'ai besoin. Voilà, c'est du textile. Hein. C'est avec ça qu'on fait. Est-ce que je mets Arroseman à la place du pingouin, tu penses ? Arroseman à la place du pingouin. Où ça ? Au main camp. Je mets arroseur 3, tu vois. Bah, en fait, le pingouin, le problème, c'est qu'il est utile à plein d'autres trucs, en fait. Ah, sinon, j'ai un gobe fin. Il fait la même chose que le pingouin, sauf il s'occupe pas de la glacière. Et il a arrosage 2. Je pense que je vais changer. Allez, je change. Vas-y, vas-y, vas-y. Comme ça, je vole le shiny pingouin. Après, moi, c'est bon, il est inscrit dans mon paldex, c'est bon. Non, non, non. Si, si, si. Je te l'ai volé, là. Ok, il me l'a volé. Hop, je l'ai volé. J'ai tout volé, les gars. J'ai rien pu faire. Protection cassée. Ah, ça y est, je vais jeter mon armure. Tu jettes ton armure, là ? Ah, non, protection cassée, donc je pense. Ah oui, cool, ouais, bah oui, là, faut l'acheter, là. Malheureusement, faut repasser sur l'armure T1, parce qu'elle est inconstructible, l'autre. Bah, on peut, mais disons que bon. Vas-y, hein. Ah ! Il y a un pal, là, il y a écrit, ses yeux ont viré au rouge, c'est important. Ouais. Oui, oui, je viens de voir. L'enlever. Je l'enlève et j'en mets un autre. Hop. Je suis en train de poser tous les lits. Ouais, je te vois. Mais t'en as trop déjà là, tu sais ? Non. Bah si.
T'en as beaucoup trop, en vrai c'est des ressources gâchées parce que on n'aura jamais 14 pales ici je pense. Ah merde, j'ai fait 14 lits. Bah là, j'ai fait 14 là. T'en as 15, ah, j'en ai fait 15. Ah, my bad, putain. Mais attends, mais. Ah, mais t'en as posé aussi. Ah, c'est pour ça. Ah, mais en fait, c'est écrit en haut à droite, hein. Oui. J'avais pas vu. En fait, je comprenais pas les. Oui, mais je n'avais pas compris. Il y a 4 heures. Hop, bah, du coup. Jamais vu, easy. Non, j'avais jamais vu. Bizarre. Je devais faire autre chose. Que chaque fois que t'es venu, il y avait des lits, hein. Ouais, je sais, mais je regardais pas là. En fait, il y a quoi à regarder par là? Les arnaques. Oui, bah du coup, je regardais derrière la montagne. C'est là, on se fait attaquer. Hop, hop. Je voulais prendre la ferme. La ferme cassée. Tout est pété sur mon stuff. Voilà, je voulais aller travailler, tout est pété. Ça fait plaisir, ça, en vrai. Je vais ramener les trucs, et puis en même temps, je vais réparer. Et aussi détruire mon armure. Vu que la B2 produit aussi du bois. Est-ce que la B2 produit aussi du bois? Est-ce qu'elle en produit assez? Je sais pas. Je sais pas si elle en produit beaucoup en vrai du bois. Je crois pas. Hein. Je crois que ça produit que dalle de bois. Zéro, exactement zéro. Il y a du bois la B2? Elle fait un tout petit peu de bois, mais c'est pas énorme. Là j'ai tout pris, hein. J'ai tout pris pour partir. Ah ok. Ok d'accord. C'était quoi le ratio genre? Il y en avait combien? Il n'y en avait pas beaucoup. Ça marche. Alors je vais essayer de pas bloquer le spawn des trucs là. Du coup faut que je me recrafte une armure, mais ça c'est vraiment un cauchemar. Du coup l'armure T1, ah ouais putain c'est quand même décevant. Et sinon armure en métal, 30 lingots, je vais pas la faire je pense. En vrai si tu peux hein. Bah non. Ça coûte que du métal, moi je te fais les allers-retours de métal et tu te la craftes hein. Non. Mais c'est easy. Un, là, c'est déjà pas mal. Non mais on verra plus tard. C'est trop cher pour rien, en fait on n'a pas besoin d'HP actuellement. C'est pas comme si on s'équipait pour aller faire un boss, tu vois. Ouais. Là ça sert à rien, en fait économisons. Enfin, c'est pas économisons mais dépensons pas dans des trucs inutiles. Ça marche. Je peux pas réparer. Mais on a plus aucun lingot. Mais il y a un problème. Ah, 153 lingots en production. Bonne chance. Nice, ça c'est bien. Très très bien. Et le palladium à l'arrosage, ça donne quoi? Ouais, ça donne, ça existe. Hein. On a plus de cailloux, mais ça va arriver. Ça farme du caillou un peu là. Et tu vois, j'avais mis du charbon à faire fondre histoire qu'on gagne un peu de temps sur le tir suivant. Ok. Là, on en a déjà 89. Je pense que c'est pas mal. Ok. Il dort par frustration à cause du stress. Stress pas. Tu sais que s'ils sont malades ou quoi, tu peux les échanger et en fait, ils guérissent dans la boîte à pales. Hop, les merdes. Voilà. Ouais, mais alors, du coup, le problème, c'est que moi, je peux pas les échanger vu que j'en ai pas des trucs comme ça. Non, on peut pas réparer la légendaire parce qu'elle demande... En fait, quand vous craftez un item, pour le réparer, il faut utiliser les mêmes objets qui ont servi pour le faire, pour le réparer. Donc là, en l'occurrence, il faut des objets un peu rares qui s'appellent des morceaux de civilisation antique, ou je sais pas quoi. Et donc, on n'a pas envie d'avoir ça, ça nous gonfle. Je vais aller échanger un peu de... Je vais aller récupérer un petit peu de baie là dans le main. Ah, clairement, tu vas dans la boîte à bouffe, il y a 1 milliard de baies. Hein. Merde. Normalement, il y en a 1 milliard. T'en as des cuites et des pas cuites. Je vais prendre les pas cuites, moi. Je vais leur mettre là-bas. Je leur ai pris 150, là, hop. Je leur mettre ça dans la boîte à bouffe. Ça va les régaler. Alors, hop là. Je leur mets ça dans la boîte à bouffe, ils vont pouvoir se régaler. La boîte à bouffe. Ouais, 7 sur 14. C'est bien, ils ont bientôt fini les lingots. J'ai relancé du palladium à l'infini là, avec l'arrosage. Mec, ça va tellement vite avec l'arrosage 2. Ouais. Le palladium. J'ai pas vu, attends, j'arrive. C'est 5 secondes le palladium, en gros. 5 là. Secondes le palladium. Ouais, 5 secondes pour un palladium au broyeur. What? Je viens de compter là.
Ouais, après, c'est auto, quoi. On pourrait farmer de la caillasse. Et feed à l'infini le broyeur. C'est clair. Hein. Là, c'est les lingots de métal qu'il nous faut, putain. Et ouais, mais le problème, c'est que ça... t'as mis du charbon à fondre. Ouais, mais c'est en train de se finir. Et l'autre, il a 150 lingots à faire. Ah. Courage. Mais après, je vais mettre des lingots dans l'autre aussi. T'inquiète. Et pourquoi tu fais du charbon ? Vas-y, raconte. À la base 2, j'ai simplement rajouté des lits, donc du coup j'en ai trop mis, mais c'est pas dramatique. Et j'ai rajouté la boîte à bouffe et j'ai fait un pâturage avec deux pales dedans, un qui fait de la barbe à papa et un qui fait des baies. Les baies, c'est juste pour les feed automatiquement. Okay. Et la barbe à papa, c'est parce que ça fait une ressource en plus, en fait, tout simplement. Et ouais, c'est bien. C'est probablement de la nourriture aussi, donc. En fait. C'est totalement de la nourriture. Pourquoi j'ai fait du charbon ? Parce qu'à la base, il faisait aucun lingot, et donc pour pas qu'il soit inactif, j'ai préparé, tu sais, pour que. Quand on en aura besoin de 50 pour passer au tiers d'après, on les aura déjà, tu vois. Ouais. C'était pour gagner un tout petit peu d'avance, mais c'est pas dingue, mais c'est toujours ça de prix. Alors oui, on va dans les technologies. Je vais les prendre avec moi, je vais les jeter. Hein. Parce que là, du coup, pour passer au niveau suivant, c'est toujours le générateur. Ouais. Ouais, mais c'est que ouais. En fait, il faut faire des, si tu veux XP, soit tu captures, soit tu fais des munitions et t'allumes la map. Hein. Mais allumer la map, j'ai l'impression que ça fait pas beaucoup de pecs en vrai. Ça fait moins. Ouais. Le plus rentable, ça a vraiment l'air d'être de faire les collections. Ouais, totalement. Ce qui est logique, puisque c'est lié au système du jeu, quoi. Voilà, j'ai fait une grosse session en vrai. Je vais me crafter des petites sphères bleues là, je pense. Ah bah là, je peux pas. Parce qu'il manque des cailloux. Du coup, vous avez deux bases. Ouais. Ah non, est-ce qu'on a deux bases à deux ? Non. Là, on joue en coop dans la même base. En gros. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'il est l'établi à armes ? C'est ça ? Il est devant la base. Près de la cloche. Près de là où on sonne la cloche. Ok, vu. Ouais, mais à mon avis, il est toujours nul, ce truc. Je vais tester ça, tiens. Je vais tester la lance en pierre. Ah oui, quand même. Ah, c'est pas mal. J'aime bien. Là, je pourrais aller réparer mes trucs. Non, j'ai toujours pas monté sur le PACA, effectivement. Ah, mais c'est trop cher, putain. Réparer les trucs, c'est tellement cher. Oui, c'est abusé. Hein. Franchement, ça nous bouffe tellement de ressources. Ça me fait déprimer de fou. Je vais me faire des petites sphères de pales, là. Des bleus. Lanterne de taille, lanterne accrochée à la taille. On nous attaque! Ah ouais? Conservateur de la c'est LPP. Ici, ouais, ou c'est à la B2. Mais je crois que ça peut pas nous. Ouais, c'est à la main. Je crois que ça peut pas attaquer. Là où on n'est pas. Là où on n'est pas. Ah, voilà, faut là, les allumer. Tu peux aller allumer là. Je sais pas où ils sont. Ils sont en haut? Vers là. Ah merde. Sud! Sud-sud-est! Oh, attends, je vais leur mettre un coup de laser. Laser. Vas-y, régale-toi. Eh bien. Ça, en plus, ça transperce, hein, c'est énervé. Hein. Oh, ce que tu leur as mis. Imagine, genre, je fais ça. Oh, le fuming. T'es en just fuming, là. Ouais, en plus, là, tu sais, ils sont en ligne, donc ça fait genre... Ouais, j'ai vu. Tu nous as fait 600 de pex, là, abusé. 2400, moi, j'ai pris. Ah ouais. Moi, j'ai pris 630. Ouais, quand tu prends le kill, c'est énervé. 1500 balles, des grillades, âme de pal moyen x4. C'est ça les loot en gros. Encore de l'argent. Encore de l'argent. Encore de l'argent. Oh tiens, il y a de l'or là. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Bon, moi je suis prêt à aller à la guerre là. Ah ouais?
Moi, j'aimerais bien qu'on se fasse une petite grotte ou un truc comme ça, ramener un milliard de palladium, là. Répare ton stuff et on y va, là. Ouais, je vais me faire des petites sphères, par contre, parce que j'en ai pas une seule. Viens, on se casse, là. Le camp en mode zéro panique. Ah non, mais j'avoue, la Kenny nous a fait une de ses polices de sécurité. Personne s'est rendu compte qu'il y avait une attaque, tout le monde est en mode... Là, c'est un Direwolf shiny, là, sur lequel je monte pour jouer. Il est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Ouais, ça a l'air incroyable. Il est trop fort. Qu'est-ce que je voulais faire, moi, des petites sphères de Parles. Moi, à mon avis, tu répares tout, tu te fais tes petites sphères. Dès que t'es prêt, je viens dormir, on se casse. On va fumer une grotte ou un truc. Ah, mais je peux en faire que 6, en fait. Il n'y a pas de pire. Tu peux aller à... Sache que tu peux aller à la carrière toi-même faire de la pierre. Attends, excuse-moi, là, la vitesse à laquelle il a travaillé ça, c'est de folie. Hein, Kenny? Ouais, j'ai entendu. T'as déjà vu travailler quelqu'un qui a main d'œuvre 3, là? C'est une dinguerie, non, frère. Non, jamais. C'est de la folie, hein. Mais c'est... Y a que comme ça que tu peux booster ta vitesse de craft en réel. Hein. Viens, on dort, en vrai. Ouais, bah, je suis dans mon lit. Ouais, j'arrive. Je suis arrivé par derrière, c'est la triche. Non, mais il a fait les sphères à pâle, là, il les a faites, mais genre en 0,1 seconde, genre 0,1. P-O-P-O-P-O-P-O-P-O-P-O. Ouais, c'était incroyable. Mais attends, j'ai envie qu'il... Non, attends, ouais, attends, je vais le forcer, là. Force-toi, là. Ouais, ouais. Et genre, là, imagine, je te dis, tu fais ça, là. Oh, là, ah, fini. Ouais, boum, boum. Il en a fait 2. Ah, là, tu vois, faut faire gaffe, après, faut l'enlever. Ouais, faut l'enlever et le reset, là, ouais. Bah, du coup, j'en ai 9. Bon. Ouais, ça ira. Je répare. Mais tu vois là, est-ce que tu voudrais pas qu'on aille au village? Pour vendre plein de conneries là? Non, pour dépenser nos gold aussi, tu vois. Ouais, vas-y, j'ai plein de thunes en vrai, je suis chaud. Pour vendre nos moutons level 2. Je suis chaud, je suis très chaud. On va au hameau du coup. Ouais, hameau. Et là, par contre, c'est vrai qu'on n'a pas abusé de ça, c'est qu'on peut acheter les ressources, ça se trouve, il y a un truc un peu broken à vendre et tout, hein. Ah, on a totalement pas abusé, on aurait pu, hein. Et là, tu peux vendre... Alors, bon, vendre les pales, je sais pas trop, parce que quand on pourra Moi, faire j'aime bien. Jus, là... Mais je pense que c'est pas grave, on se démerdera, tu vois. Ouais, je sais pas. Et genre là, en fait, on peut en acheter. En fait, il change, il y a une rotation, là, je vois. C'est pas les mêmes. Là, on peut acheter des ressources. Genre des flèches, c'est 5 gold la flèche, ça, c'est incroyable, tu vois, par exemple. Et tu peux acheter des sphères de pales. 120 la sphère de pales. Enfin, c'est combien la flèche que c'est, elle se vend? C'est 5 balles et la flèche. Ok, je me rends pas compte du prix de la flèche à craft. J'ai acheté full flèche. Mais tu vois, la barbe à papa, c'est 25 la barbe à papa, tu vois. Et en fait, si on stack les barbes à papa, on a juste à les sortir et go next, tu vois. On peut tout vendre. Oui. 25 la barbe à papa, mec, c'est insane. C'est dommage parce qu'ils classent pas par niveau les trucs. Franchement, tous les moutons, je peux les tèche. Hein. Je pourrais tout vendre. Hein. Ah, il y en a plein qu'on pourrait vendre. Hein. J'en garde un de chaque, mais... Et encore, hein. Je suis même pas sûr que ce soit utile. Dommage qu'on puisse pas trier là-dedans. C'est un peu con, ça. Tout en bas à gauche pour trier. Là. Non, je crois pas. Petit. Non, c'est déjà trié par niveau, je crois. C'est trié dans ta boîte à pales. Sur comment elle est arrivée. Donc là, c'est les plus bas niveaux, je pense. Ok. Les presser, c'est pas mieux. Bah, c'est pareil. Hein. Enfin, de pas quoi? Pareil, mais. Hop! J'ai vendu un milliard de pales, voilà, je te le dis. Ah, voilà. C'était par là que j'avais trouvé la grotte dont je te parlais. Ouais. D'ailleurs, attends, je vais peut-être essayer de la trouver là en rapide. Elle est pas loin, elle est juste à côté. C'est sûr, elle est juste à côté, mais alors où exactement? J'avais traversé le village de part en part de mémoire. Et j'avais juste continué l'explo. Comment j'avais fait? Ouais, j'ai acheté un milliard de sphères de pales. Hein. J'ai dépensé tous mes gold pour ça, je te le dis. Ah ouais? Ouais. En fait, comme ça, je dépenserai forcément que pour les... En fait, je pense maintenant, je vais acheter ici et fabriquer que des vertes et des jaunes. Ouais, t'as raison. Tu trouves ton truc là? Je cherche, t'inquiète. Oh, il y a un shiny à côté de moi. Ouais, je l'entends.
Et c'est un fouac shiny. Un fouac. Tu le veux? Je m'en balèque, hein. Moi je m'en balèque, hein, j'avoue. Mais putain, je l'ai tué, mais je suis vraiment trop une merde. J'ai mis un coup de trop. Oh. Un fouac shiny, bah vas-y, je le prends. Hein. Si tu le prends pas, je le prends. Où j'ai la flemme. Oh. Donde? Il est là. Un peu plus bas, ouais. Il est trop marrant, putain, la gueule qu'il a. Aïe. Ok, je remonte. Je l'ai tué, voilà. Alors? Tu l'as tué? Ouais. Là, je l'ai tué. Bien joué, c'est propre. Merci, mec. Je veux mourir, putain! On est marre! Ah mais j'avais cross ça moi. Ah oui, c'était par là. Il y avait un camp de brigands là-bas avec un truc à sortir. Oui c'est ça, c'est là où je suis, c'est par là où je suis. Bon, c'est un peu loin du coup mais... Je me souviens avoir fait tout ça. Pas mal. Tu me dis quand tu trouves, hein? Ouais, ouais, je il me semble qu'elle est par là, je suis quasiment sûr. Alors, peut-être elle est par là. Bon. Oh, bah j'ai trouvé une grotte donjon, mais c'est pas. Là, on niveau peut faire, combien hein. Niveau 13. Ouais, ouais, là, on peut faire, hein. Là où je suis, il y en a une. Et est-ce que c'était là? Bah, tu peux me rejoindre en vrai. J'ai pas ma clé en bronze sur moi? Non, je suis une merde. Il y a un coffre là où je suis? Ah, mais t'es si loin. Oh là là. Ouais, ouais, je suis parti chercher. Moi, je me mets un ping. Coffre. Y a pas coffre. C'est pas grave. Ok. Il y a un truc. Je continue la recherche. Je sais où est la grotte. Vas-y, j'arrive. Hein. Ouais, ouais, t'inquiète. Putain, j'entends des abeilles un peu partout. Ça me donne l'espoir que peut-être. Ça loot du miel, sache-le. Ouais. Ah mais t'es si loin, j'arrive. C'est long. Est-ce que c'était par là? Bah je sais plus trop alors. Oh, un autre shiny, c'est quoi? Oh, c'est un Melpaka shiny. Ah, pas mal ça. Ouais, mais j'ai peur de le one-shot en le tapant. Bah, vas-y, lâche. Attends, je vais essayer de l'avoir lui par contre. Il m'intéresse bien beaucoup. T'as pris le pont? Ouais, il faut le traverser, ouais. J'avais jamais pris ce pont. C'est l'Elden Ringisation. Derrière, il y avait quelques brigands et un mob à libérer. C'était pas le même dans ma game. Ça, c'est généré procéduralement, je pense. Ah ouais. Nice, je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai eu. Il y avait un truc à libérer dans un camp, tu l'as fait? Non, je l'ai pas libéré, mais Oh, t'aurais dû? Bon, je me suis dit que t'allais passer, donc Osef, de toute façon, tu vas pas libérer. Ah, mais y'a pas de clé. Il faut une clé? Ah non, c'est pas ça, c'est que je pouvais juste pas le faire sur la monture.
petit peu de gold, putain, il y a tellement j'suis de là et tout. Enfin. Parfait. Viens, ça va. Aïe. J'arrive. Juste ici. Ah. J'adore jouer avec ma monture. C'est un bon jeu quand je suis sur ma monture. Déteste. Ah ouais. Ouais, je déteste. Marrant. Oh, what the fuck. Il y a des mots. Comment ça? Il y a des mobs qui s'appellent des maou, maou. Des chats. Des maou. Ok, je vais essayer oh, d'y aller. Une lance. Oh merde, ça la one tap. C'est bien la lance? Non, c'est pas ouf. Utilisez la lance. Enfin, utilisez la lance. Mieux que la hache ou la pioche, non? Bah ouais, c'est un peu mieux. Ça a plus, ça a un peu d'allonge, au moins. Mais là, t'as ton mob qui booste tes attaques, non? Non. Parce qu'un niveau 10 de dos, tu devrais pas le one-shot à l'arbalète. Hein. C'est trop bizarre. Hein. Non, je l'ai mis un headshot, je pense. Ouais, je pense aussi, parce que vraiment, c'est pas normal. Hein. Non, le bâtard. 25%, j'y crois. J'y crois. Venir de ton côté. Allez. Oui. Nice. Let's go, je passe 25 là-dessus. Veux bien. Nice, nice, nice. Putain, t'es bientôt 27, trop bien. Si on en croise un autre, je veux bien. Ouais, de ouf, de ouf. Bientôt 27. Non. Non, mais t'es 26, donc... Je viens de passer 26 à l'instant. Oh, le Fuddler, il y a un autre mob. Oh, oh, parfait, parfait. Tente-le. Je vais essayer d'avoir l'autre. J'ai un peu peur. Oh, je l'ai eu direct. Mais ça le OS en fait. Faut que t'attaques de dos. T'es sûr que t'as pas un boost de dégâts? Non, j'en suis sûr. Ah non, j'en suis pas sûr du coup, j'ai le doute là. Mais... Bon bah pas de Fuddler pour moi. Non mais mec, tu sais que moi je one-shot pas du tout ces mobs. Hein. Tu dois avoir un... Ah mais t'as mis des points d'attaque peut-être. Ah non, si j'ai des boosts de dégâts, si j'en ai. J'ai une équipe qui me booste. Non, c'est vrai bon que j'avais fait ça. Mais tu l'as déjà eu celui-là, non? Non, jamais. Oh, j'en veux 10. Ah, ah oui, bien. Moi, tant que j'en ai pas eu 10, je préfère capturer que kill. Hein. C'est... Ok, my bad, j'avoue. C'est toujours ça, hein, je pense. Attends. Mais j'avoue, comme moi, c'est rare que j'ai des sphères de pal. Là, j'en ai un peu, mais. Mais c'est vrai que d'habitude, j'en ai pas, donc je tue. Bah là, j'ai tout acheté au village, hein, donc je te cache pas. J'en ai 111 là, des bleus. J'ai utilisé tout mon argent pour ça. Ya! Ah, les montures en intérieur, c'est vrai que c'est pas mal. C'est le boss là? C'est quoi? Non, c'est le sale avec du pâle truc. J'ai peur de le one shot. Non, c'est bon. Et y'a un Fuddler ici, je te le laisse. Ah ouais, trop bien. Je l'ai mis à 2 HP par contre, faudra que t'arrives avec une arme corps à corps. Ouais, j'ai. Y'a un Paldium sur moi. Ah, t'es sur un autre Paldium. En train de l'allumer là. Ouais, j'en ai déjà miné 2 tout seul. Hein. Ok, ok, je savais pas. Ah ouais, ça a raté. Ah oui, t'es à 1% pourtant. Qui Fuddler niveau 6 là. Nice. Bon, du coup, il en reste un là-bas. Ah ouais. Petit Paldium. Mais t'as pas de quoi miner toi? Si, 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 bien sûr. Mais t'as juste. Bah, parce que j'étais pas avec Fuddler, toi. C'est vrai. Et. Il se tépait un peu, mais ça va là. Ça va du coup en PC client, tu ressens le truc comment? Bah, en gros, ça se ressent assez bizarrement. C'est très sous-entendu, très subtil. En fait, en gros, c'est pas clair que ça lag, mais par contre, tu prends les dégâts en retard quoi. C'est juste à gauche là, on n'est pas passé par là. Je sais pas, je vois un mob ici. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on est vraiment passé par là? Bah, on est venu. Il y a deux mobs là. De là. Oh, il y a un coffre et tout là. What? C'est un coffre violet. Attends, je vais l'ouvrir. Y'a que ça de toute façon ici. Ça va être un coffre caché, je sais pas.
Il y avait 17 flèches et 300 pièces d'or. Bon, c'était pas le loot de l'année, quoi. Bon, là, il y a des braconniers et tout, mais je sais pas si on les a déjà vus. Attends, mais... Ici, on en vient, pourtant. Ah ouais, normalement, c'est de là qu'on vient. Les braconniers et les Daydream. Bah, écoute, je suis mort. T'es mort ? Non, non, pas du tout. Ah, ok. Moi, mort. Demande à mes potes si je suis mort. Du métal, ça, c'est quoi ? Pas du métal, de la merde. La merde. La merde. Tu devrais réinvoquer ton casiva. Quoi, il est mort ? Oui, il est dans l'eau, il fait n'importe quoi. Je sais pas si c'est par là, je crois que je fais nimp. Gagné. C'est par là ou pas ? Bah, ça peut être par là, c'est où on veut en vrai. Hein. Spéméo ! C'est joli, mais il n'y a pas de ressources. C'est joli, mais inutile. C'est joli, mais ça sert bien à rien. C'est vrai que cette salle, c'est... Ouais. Mais normalement, il y a un boss quand même au bout de la grotte qui nous fera sortir du donjon et tout, là, comme d'hab. Ouais, bien sûr. Y'a quoi ici ? Oh, du palladium. Je capture. Ouais, ça donne vraiment envie de les capturer, eux. Hein. Je l'ai, regarde. Mais on ici. Ah, tu l'as ? Mec, je l'ai vraiment eu en plus. What ? Attends, mais c'est en rigolant, moi. Bon, ça sert à rien, mais c'est vraiment marrant parce que ça te complète un truc dans le paldex, quoi. Ah ouais, folie. Ok, mais what the fuck ? Mais c'est tellement de la chance, c'est la première fois que je lance un truc sur tant ça. Tant mieux. Tellement lucky. Ah bah oui, mais du coup, il nous reste une branche à faire. Quoi ça ? Oh là là, Momo, non, non ! Range ton mob. Je me suis trompé de touche. Ok. Tiens. Je vais finir. Hop. Encore un coup peut-être ? Non, je crois pas. Il est pas facile à avoir. Hein. Enfin, moi j'ai un peu galéré, j'avoue. Il est dû en mettre 5-6. 44. Nice. 70. C'est bon. Super. Oh, c'est vrai. On peut les revendre, les braconniers, du coup. Bah ouais, mais ça vaut que dalle, je pense. Et là, 1 million. Un braconnier, 1 million. Oh, avoir 1 million de gold, le rêve. C'est gagné, hein. C'est gagné, je pense. Hein. Ça vaut 500. Ah ouais ? Ah, c'est beaucoup, quand même. Ouais, c'est beaucoup pour un truc hyper dur à avoir. En vrai, pas si facile, hein. Il y a d'autres mobs ici. Je les tue. Oh. C'est vrai que c'est dur à avoir, vu comme ça. Je sais pas quoi mettre comme stat. Mais j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Moi, je suis sur quoi ? J'ai monté mon endurance à 200. Je me suis arrêté là. J'ai monté deux fois mon poids. J'ai mis 2 points dans le poids, j'avoue. Ouais. Moi, je suis à 1700 HP là. Moi, je suis à 515004. Comment tu sais ça ? C'est le truc en bleu entre parenthèses. Ah ! Moi, je suis à 11 10 002. Ouais, voilà. 11 10. Ah ouais, t'as mis tellement de PV, c'est ouf. Ouais, parce que j'ai pas envie de me faire one shot. Mais je vais mettre 15 points dans l'endurance. C'est quoi ? C'est bien d'avoir 250, je pense. Mais tu sais que je sais pas exactement où je vais, on s'est perdu là. Hein. Je sais pas où je suis, voilà, c'est bon. Mais il y a des mobs partout. Elle est gigantesque celle-là. Je suis totalement pomax. Mais je crois que c'est le même truc, juste on a Mais il y a des fuddlers. Mais il y a des fuddlers en face de moi, mec. Ah, attends, là, non. Je crois que j'ai trouvé. Ah non, on en vient, c'est là d'où on vient, non ? C'est parce qu'en fait, le problème de la grotte, c'est qu'elle est à multiples embranchements, mais pas aux mêmes endroits. Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, je vois tout à fait. C'est là ! C'est là où je suis ! C'est là où je suis, le boss ! Ok. Ah, je vais essayer de te voir ton pseudo. Tu devrais pouvoir voir les braconniers qui m'ont aggro. Non ? Attends. Je suis en train de... Je récupère ce fuddler là que j'ai déjà engagé, exceptionnel, je me casse. Vas-y, permets-moi de monter sur ton dos, je cours comme un ouf. De toute façon, je t'attends, t'inquiète. Pourquoi c'est dans une perso... salle, tu vas voir des braconniers. C'est là où sont les braconniers. La mâchoire à Bogdanov. Il y en a deux en aggro qui sont en train de courir contre un mur. Ah oui. Ouais, donc moi, je suis littéralement revenu en arrière. Ça a juste respawn les mobs, c'est tout. Ok. Voilà, c'est sûr, parce que je suis allé dans la petite salle où il y avait le coffre tout à l'heure. Il est pas là, donc je suis déjà passé par là. Je suis passé dans un endroit assez étroit pour aller dans cette salle. Je l'ai dû désinvoquer ma monture même. Ah ouais ? Voilà, sache-le.
Donc attends, je reviens par le métal. Là ! Je te vois ! Pseudo ! Pseudo, 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 je vois pas ton pseudo moi. Moi je te vois. Là, oui, ok, maintenant je te vois. Ok, viens, c'est par là. Let's go ! Wouh ! Wouh ! Ouais, c'est pas mal ça. Raté. Ah bah voilà, je peux pas passer. Sa grosse tête. Ah mais c'est les Ruby ! Tu veux pas qu'on les capture, tous ? Bah si, je suis très chaud. Attends, 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 attends. J'arrive, j'arrive. Je dois ranger ma merde, là. Là, à mon avis, on fait no mount, hein. Ah ouais, c'est no mount et j'y vais à la lance, moi. J'y vais à la lance. J'y vais à la lance. Tu peux les tirer à l'arbalète ? Ouah, mec, j'ai fait la même chose, sauf que je l'ai mis à 1 HP en un coup. C'est pas dingue. Ça, c'est exceptionnel, ça. Ça fait trop peur. Mettre un mob à 1, ça fait trop plaisir. Ouais, ça fait peur, un peu, hein. J'ai l'impression de le one-shot quand même. Ok, j'ai capturé. Moi aussi j'en ai un. 4 organes d'allumage pour un. Je vois pas. Ah, c'est le boss, ok. Oh oui, on le tue lui, non? Oh non, on capture. On le cap. On cap pareil. Bon, je pense, hein. Vas-y, renvoie. Attends, je te laisse, tu peux remettre un coup. Ok. Si tu crites pas là, c'est bon. Ok, vas-y, je le finis à la main. Bon, je pense là, c'est bon, hein. Tu penses? Ah oh ouais, vert. Oh merde, j'ai pas fait exprès. Ça va large. J'ai pas fait exprès. Ouais, c'est easy, hein. Et voilà, fin du dungeon. Bon, oh, il a chef d'assaut, augmentation des dégâts, j'aime bien, moi. Je prends le coffre de droite, cette fois. Obligé. La merde. Et moi Fulgura, cheminée plasmique. De la merde. De la grosse merde. Ta grosse merde. Allez hop, je veux trouver la grotte dont je te parlais, c'est mon rêve. Il y a écrit repop, disparition dans 10 minutes. Voilà. Ah oui, donc c'est littéralement, elle va des pop quoi. C'est un event quoi. Ok, cool. Un event qui nous a rapporté au moins 4 de palladium parce que je suis un peu ses clients. Tu pourras jamais. De quoi? Ah si, c'est sûr. C'est, pour moi, c'est un truc du lore ou de la map, pas un. Ah ouais? Pour moi, c'est ça. Ok. Mais je sais plus où je l'ai vu, en fait. C'est juste, je sais plus où je l'ai vu. C'était vraiment au détour d'une exploration complètement random. Il y a un coffre là. Ah, ça, c'est le problème. Tu retrouveras jamais. Hein. Ouais, je pense que c'est impossible. Et c'était vraiment dans un petit recoin de montagne et. C'était très bizarre. En fait, elle est pas si broken, l'arbalète. C'est juste qu'on tape des mobs qui sont vraiment plus low level que nous. Parce que ce qui est broken, par contre, c'est un peu les raids qu'on a mis. Parce que vu qu'on est en x3 XP, on va un peu vite en niveau de perso et tout, comparé au niveau des mobs qu'on a en face de nous. Donc, on a des stats qui sont un peu gainés, quoi. Est-ce qu'il y a un TP dans ce coin? Bah, pas pour l'instant. Voilà. Par contre, je comprends pas trop l'intérêt de ce biome pour l'instant. Je cherche. Yo 27. Nice, bah voilà. Let's go. Incroyable, maintenant il faut juste les ressources et on peut pop le level suivant, non? Ouais, après, c'était pas les levels qui nous manquaient là, si? Bah si, hein, il fallait passer niveau 27. C'était pas des ressources? Bah non, en fait, enfin, peut-être qu'il nous manque des ressources, mais en tout cas, il fallait être niveau 27 quoi qu'il arrive pour pouvoir faire les objets, quoi. Et ça, on l'était pas. Je trouve un pendentif de défense, j'ai jamais vu. Ok, on va se barrer de là. Hein. Y'a pas de TP même là où t'es? Bah je cherche, à gauche là? Non, y'a rien. Sur ta map là quand t'ouvres. Nada, rien. La merde. Je fais que me tromper de touche, je fais que envoyer des Pokéballs sur le sol. Vraiment, ça me rend fou. Comment c'est possible? En fait, c'est quand je veux faire un ou trois pour changer de Pokémon là, chaque fois j'envoie une Pokéball. Ah non, c'est un dingue. Cauchemar. C'est un cauchemar. Merde, les one-shot, putain. Mais y'a rien, y'a pas de TP. Ok, bon bah. Là, c'est le grand pont à traverser. Oh, y'a un camp de méchants. Particulier, là où je suis, hein. Faut le vouloir pour y aller.
Et ça, c'est quoi ce que je vois en face de moi? C'est un village de braconniers. Ouais. Ça, c'est des events. Ça dépop à des moments. Ah ouais? Ouais. Ouais, ok. Il y a un petit mob dedans. Je le récupère. Vous arrêtez de chase les mobs là? C'est que j'aime bien moi utiliser mes montures là, ça one tap tout, j'adore. C'est vraiment ça one tap tout, c'est trop bien. Plus ça me donne des pièces d'or, des trucs, des machins. Parfait. Relâchez le pal. Mais ça c'est pas mal ça. C'est une petite capture gratos. Petite capture gratos, on prend. Hein. Ok, donc là où je suis c'est validé, y'a rien. Rien du tout. Oh, un incinéro truc là. Ah ouais. Il y en a deux même. Quoi? Oh, il y en a deux là. Oh non, je vais jamais les avoir. Oh tant pis, j'utilise les Pokéballs high tier. J'ai pas de bouffe sur moi, c'est de la folie, tiens, mange des œufs. Il faut que je tue des mobs qui me donnent un peu de food. Ah, y'a des Lispunk. En fait, j'ai l'impression que c'est une embuscade qui a pas eu lieu. J'ai vu des Lispunk, ouais, effectivement. Tout à l'heure. Ok. On les croisait. Incinéram. J'en ai trois. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je suis en train d'explorer toute l'île, écoute. Hein. Voilà. Et t'as trouvé aucun TP? Aucun. Je trouvais un œuf par contre là. Hop là, un petit œuf. Pif. Œuf sombre. C'est un cauchemar cette histoire. Hein. Oui, c'est cauchemardesque. Y'a Renoir, non, y'a pas de TP, c'est validé. Comme si elle était pas finie, cette île. Viens, on va tuer le boss Limo 23 là, à l'ouest. T'es chaud? Je vois absolument rien. Cool. Je sais pas de quoi tu parles. Y'a un boss qui s'appelle Brochi à l'ouest. C'est Limo 23. On peut aller le tuer. Enfin, à l'ouest de il est. Non, à l'ouest de là où t'es plutôt. Moi, je suis vraiment loin de lui. Mais ça va, je traverse la map là. Et faut que j'aille tout en bas? Faut que t'ailles en bas, ouais. Ok, bah j'y vais. Go. Je suis chaud. Et en fait, t'as un pont à traverser normalement? Bah, moi, j'ai fait des étapes, hein, quand même. Okay, t'es vivant, tout va bien. Je suis pas mort, je crois. Vivant et bien en plus, hein. Ouais, j'ai pas perdu un HP. Ah mais les dégâts de chute c'est vraiment permissible dans ce jeu. Ça va. Alors je crois que quand t'as un Pokémon volant, t'en prends 0. Ce serait fou, oh, ça serait trop bien. T'es dessus. Non mais je crois que c'est le cas. Alors, c'est de l'autre côté là, faut traverser, faut cross en fait là. Ah ouais? Ah oui, t'es allé loin. Ouais, j'étais en mode vas-y, puis au pire on prend un TP là-bas et on est content. Parce qu'en fait on a fini cette île, y'a pas d'autres TP. Je me dis bon, mais putain y'a vraiment des sphères à pales partout, c'est de la folie d'en mettre partout comme ça. À droite, c'est quoi ça? À droite. Bah, c'est... Ah oui, ouais, moi je l'ai déjà celui-là. Et il y en a un autre à gauche. Ah mais je l'ai déjà aussi. Ah bah go à l'ouest. Il y en a un autre en face de nous, ouais, celui-là je l'ai aussi. Tout à l'heure quand je suis venu explorer. Ah ouais? Mort. J'ai raté. Oh. Mon rêve. Il a un HP. Nice. Oh. Non. Oh. Incroyable pendant l'attaque. Je suis une légende, hein. Mais non, j'utilisais une jaune, je trouve une merde. J'ai mis l'eau aussi. C'est une merde humaine. Oh. Attention, non. Il explose. C'est un truc qui explose. Fuis. Oh, les dégâts sont infinis, wesh. Oui. Mais du coup, on les a eu, c'est légendaire. Ouais. Oh, regarde, il y a des worms. T'en veux? Non. T'en veux? On t'en veut. Tu veux des worms? Tu veux un shoot? Non, attends. Alors, au pire, on va... Oui, mais c'est là que j'ai trouvé mes worms tout à l'heure. Au pire, on va au boss et on s'en fout. Ouais, bah ouais, mais je sais pas où c'est, moi. Ah, viens, à l'ouest. En fait, je suis un TP là, moi. 146 mètres par là. Ah ouais, je l'ai sur ma boussole. La boussole. Oh, y'a un bronchéri. Bonjour, ouais. Je tue. Voilà. Je pense que je peux tirer ça. Je pense que je peux retirer ça. Il a,
Oh, il est abuse, là, c'est quoi ces calculs de merde? C'est quoi ces calculs? Wow! Le mec est allé si vite! Pixel. Wow, il est trop stylé! C'est Yasuo, le vrai? C'est vrai, wow! Il est trop... Yeah, il a dit! Incroyable. C'est Bushi. J'avoue qu'il a un flanc. Par contre, lui, on le capture, hein, je te le dis. Hein. Oui, bon. J'arrête de m'empêcher de tirer, là? Ouais, j'ai des Master Ball. J'ai du jaune. Pareil. Bon courage. Trop classe. Je désinvoque. Ah ouais, 160. T'es ouf. Je sais pas, je tentais. Ah, c'était mon style. Oh le bâtard. Oh putain, le bâtard. Ça met bien ça. Bah, tu peux y aller à l'arbalète en vrai. Je vais utiliser une bleue pour le bouger. Voilà. Ah, tu penses que ça marche? C'est malin. Il est mort, mon petit gars, d'ailleurs. Il s'est fait tuer à force, hein. Hein? Ah, quoi? Il s'est défait sur moi! J'ai eu très peur! Je mets des 1. L'armée des 1. À l'attaque, l'armée des 1! Mort, Zerator, mort. Quoi? Il m'a one shot, quoi. Oh oui. Dommage. Je sais pas si tu devrais... J'ai un shield. Mais pourquoi j'y arrive pas? Ça arrive. Oh. C'est fait. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux pas la jaune, regarde, c'est 13. Ok. Bah attends, je peux le mettre des flèches, non? Oui, c'est bon. Pendant qu'il me regarde. Je m'en occupe. T'inquiète. Nice. 40. 40 HP, c'est bien, non? Oui. Gagné, let's go! Let's go! Parfait. Une caisse. Non? J'ai essayé une fois, j'ai pas abusé. Oui. C'est un type feu. Oh, bien ça. Ah, il a allumage 2, ça y est, on en a un. La dingue. Travaux manuels 1, abattage 3, transport 2, collecte 1. Juste le goat. Juste le goat, en fait. Ce mob. Y a un mob level 30 à notre ouest. Non, mais là, on se casse, là, non? Okay. Oh non, on peut ne pas se casser aussi, hein. Non, j'ai plus de monture, de toute façon. Le jeu sert à rien. Ah, t'as plus de monture. C'est le pire jeu de tous les temps. Attends, c'est plus de battre en monture, en vrai. Ok. Tout le monde dort, là? Oh, des Woolly Pop. Ouais. C'est ça qui fait de la barbe à papa. I bad là-dessus. Des Loop Moon. Oh là là, c'est pas du tout un one shot. Oh là là, alerte. Je attention vais. Attention les jeunes. Au camp numéro 2, moi, vite fait. Oh là 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 là. Vous allez pas bien à faire du bruit comme ça. Donc 23 barbes à papa, tu sais que c'est très bien en vrai. Et merde! Je vais me mettre au sleep et je vais AFK 2 minutes. Oh, c'est quoi ça? Je reviens. Ok. Let's go! Wouh! Level 28! Putain, on a fait plein de premières captures là. C'est pour pas les reconnaître. Ouais, j'envoie la jaune. Bon, j'en ai rien à foutre. Hein. Pour des premières captures, franchement. Faut bien les dépenser de toute façon. Hein. J'en ai plus rien à foutre. Surfant, lui, je l'ai déjà. Je pourrais escalader là, est-ce qu'il y a un moyen de passer? Là peut-être. Sachez que si vous